La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de Monsieur Jean-Philippe Ardouin, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Ardouin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chaque jour, des milliers de nos concitoyens empruntent les transports ferroviaires pour aller travailler, se soigner, étudier ou pour le tourisme. Dans certains territoires, le train est le dernier transport en commun existant. Il est aussi le principal facteur d'attractivité de la ruralité pour attirer des habitants des grandes villes afin qu'ils exercent leur profession dans ces régions et inversement. Sur ma circonscription de Sainte-Saint-Jean-d'Angély, beaucoup de communes ont besoin d'être reliées le plus rapidement possible à la capitale régionale Bordeaux. Il est indispensable que ce trajet Sainte-Bordeaux dure moins d'une heure afin de faciliter notamment la mobilité professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Je ne cesse de l'entendre localement, continuer d'investir massivement dans le ferroviaire, c'est commencer à régler tous les autres enjeux des territoires ruraux. Depuis 2017, le gouvernement et notre majorité ont investi massivement dans le développement des lignes ferroviaires régionales, trop longtemps délaissées au profit des grands projets TGV. En Saintonge, toute l'étoile ferroviaire Saint-Aise a enfin fait l'objet de rénovation, d'électrification et de sécurisation des voies. Au total, ce sont ainsi 110 millions d'euros qui ont été investis. Ces travaux ont eu pour effet immédiat l'accélération de la vitesse de circulation, revenant à 110 km/h sur des tronçons qui étaient auparavant traversés à 60, voire 40 km/h. Cependant, ces investissements nécessaires et salutaires doivent être poursuivis pour continuer à moderniser le réseau, pour que le train s'impose comme le premier mode de transport entre nos départements, pour verdir la mobilité régionale, pour que la hausse de la fréquentation de Bordeaux qui résulte de la nouvelle ligne Atlantique TGV bénéficie aussi à la Charente-Maritime. Monsieur le ministre, quelle stratégie d'investissement portez-vous au niveau national au cours des prochaines années pour amplifier la modernisation du réseau ferroviaire dans nos territoires et singulièrement pour les conditions de desserte de la Saintonge? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ardouin, mesdames et messieurs les députés, merci pour votre question. Merci aussi d'avoir rappelé l'engagement de l'État, l'engagement important dans la remise à niveau de notre réseau ferroviaire. Et pourtant, nous en avons encore beaucoup à faire. Le contrat de performance 2021-2030 entre l'État et SNCF Réseau prévoit d'abord un niveau d'investissement inédit sur le niveau de régénération. Regardez les lignes qu'on peut améliorer, se préoccuper de la vitesse commerciale, c'est évidemment une nécessité. Le premier enjeu, c'est qu'on ait un réseau qui soit en bon état, et c'est la raison pour laquelle c'est désormais 2,9 milliards d'euros qui sont consacrés à la régénération. Ce chiffre, il était de 2,1 il y a seulement 10 ans. Par ailleurs, nous avons à intensifier nos investissements dans le ferroviaire et notre offre ferroviaire dans la perspective de la transition écologique, avec la nécessité de décarboner nos déplacements et de faire en sorte de pouvoir massifier ces transports. Nous attendons, en ce sens, la remise officielle du rapport du comité d'orientation des infrastructures qui nous servira de base pour actualiser la programmation financière des investissements et en particulier des investissements ferroviaires. Ce rapport, construit avec les élus locaux, à l'issue d'un tour de France à la fois des conseils régionaux et des préfets, permet de déterminer tous les enjeux et tous les sujets qui nécessiteront des investissements complémentaires, en particulier autour du ferroviaire, avec la question de la régénération et la question des lignes nouvelles. Dès la remise de ce rapport, nous aurons l'occasion d'entrer dans les réponses à lui fournir, y compris parce que, au deuxième trimestre, l'enjeu, ce sera de commencer à discuter des contrats de plan État-région. Et dans le cadre de ces contrats de plan État-région, vous savez, la part importante des sujets de mobilité. Sans attendre les conclusions du COI, sans attendre la présentation des moyens budgétaires que nous aurons à y consacrer dans le cadre de la planification écologique, l'année 2023 a déjà vu un complément de 100 millions d'euros de crédits au titre de l'Agence de financement des infrastructures de transport pour accompagner cet effort.
si je zoome sur la Charente-Maritime. Vous le savez, certaines opérations ferroviaires, vous en avez cité, ne sont pas seulement identifiées par le député que vous êtes, mais par les acteurs locaux, et précisément ont vocation à faire l'objet de négociations dans le cadre du contrat de plan État-Région entre la région Aquitaine et l'État pour déterminer les niveaux d'engagement des uns et des autres. Une des priorités, l'une des premières priorités même, pourrais-je dire, sera notamment la poursuite de la régénération de la ligne Niort-Saintes, qui est déjà prévue dans le cadre du protocole d'accord entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine sur l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire dont vous signalez à juste titre qu'elles ont fait l'objet d'investissements importants ces dernières années, plus largement, y compris au travers des RER métropolitains. La capacité à financer des moyens ferroviaires complémentaires en direction de Bordeaux et autour sont aussi au cœur de nos préoccupations et devront s'inscrire dans ce schéma de négociation qui sera doté de moyens nouveaux. Merci, Monsieur Ardouin, pour 10 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je suivrai attention la modernisation et le développement du réseau ferroviaire en Charente-Maritime, car j'en suis persuadé, nous avons tout à y gagner. Merci. Merci, Monsieur le député. Question de Monsieur Thomas Rudigoz à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Ardouin, suppléant Monsieur Thomas Rudigoz. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, cette question est celle, en effet, de mon collègue Thomas Rudigoz, qui ne peut être présent de dernier moment. Les travaux du tunnel frontalier entre la France et l'Italie, entre Lyon et Turin, battent actuellement leur plein dans les Alpes. D'ici quelques années, les premiers trains devraient pouvoir y circuler. Cependant, une question se pose aujourd'hui et toujours, quelle ambition souhaitons-nous pour les accès français ? Il y a aujourd'hui une nécessité à ce que la France confirme ses engagements pour la réalisation des accès français au tunnel de base du Lyon-Turin. Irréversible, ce projet représente le cœur de la stratégie européenne d'un corridor méditerranéen, mais est aussi un enjeu essentiel pour améliorer les transports du quotidien entre Lyon et les Alpes. Repousser les travaux représenterait un coût non seulement économique estimé à 500 millions d'euros par an par le comité pour la Transalpine et écologique en laissant plus de 3 millions de camions sur les routes entre la France et l'Italie. Enfin, des décisions vont devoir être prises dans les prochains mois par le gouvernement pour définir les investissements de la France en matière de ferroviaire sur les 5 et les 10 prochaines années après la publication imminente du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Je souhaiterais donc, Monsieur le ministre, connaître la position du gouvernement vis-à-vis du scénario privilégié aujourd'hui par les collectivités territoriales, qui est celui du grand gabarit, estimé à 6,7 milliards d'euros par SNCF Réseau. Nous avons déjà pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de notre partenaire italien et de l'Union européenne, et de nombreux financements européens sont aujourd'hui dépendants de notre décision. Par ailleurs, qu'en est-il des subventions proposées par Bruxelles et auxquelles la France peut participer ? Qui pourrait permettre de financer ce chantier à hauteur de 50%, notamment dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, dont l'appel à projet doit se conclure demain. Monsieur le ministre, nos partenaires attendent notre réponse et comptent sur notre investissement pour donner sa pleine dimension à cette infrastructure européenne de premier plan. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ardouin, suppléant le député Rudigoz. Je vais terminer par la fin. Nous attendons effectivement, dans le cadre du comité d'orientation des infrastructures, l'ensemble des éléments qui permettront de trancher de manière définitive entre les différentes options. Je veux dire trois choses. Ce projet, effectivement, il correspond à des engagements de la France, avec des niveaux de subventions européennes qui sont conditionnés à des temps de passage sur les réalisations. Il a un impact écologique, il a un impact social. Il s'agit d'améliorer les liaisons entre la France et l'Italie. Il s'agit surtout de limiter la pollution dans la vallée alpine provoquée par les flux de camions qui demain pourront être évités grâce à ce projet. Mais il a un coût. Et au milieu de ce coût, la question des accès n'est pas un sujet secondaire. Le grand gabarit qui a été évoqué, qui est ce tracé qui aurait l'avantage de permettre d'aller
éviter jusqu'à 25 millions de tonnes de marchandises par an d'un point de vue routier, c'est aussi le scénario le plus cher. Le gouvernement a bien noté que les collectivités avaient une préférence pour le scénario à 6,7 milliards d'euros. Je veux dire que, autant sur la partie tunnel, c'est un engagement financier entre nos États avec le soutien de l'Europe, autant sur la question des accès, le cofinancement par les collectivités n'a jamais été écarté et y figure depuis l'origine comme étant un des leviers puisqu'on évite du trafic sur des routes. Et donc il faut que le tour de table y soit complet et que de ce point de vue, la discussion elle ne soit pas que sur ce qu'on évite, mais aussi sur ce que ça coûte et sur le calendrier de réalisation. Je le redis, dans la continuité du déplacement de Clément Beaune, le ministre délégué chargé des transports, qui a déjà eu ce type d'échange avec les collectivités locales, les prochains mois nous permettront de faire atterrir tout ça. Merci, monsieur le ministre. Vous souhaitez répondre, monsieur le député ? Question de monsieur Charles Rodouel à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à monsieur Charles Rodouel. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre. Je souhaite vous alerter sur la dégradation continue du service sur le RER C. Depuis maintenant plusieurs mois, la SNCF réduit le nombre de trains qui circulent quotidiennement sur cette ligne. Le corridor ferroviaire dont il est question dessert pourtant des gares particulièrement fréquentées, notamment les gares de Versailles-Rive-Gauche, de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux et de Versailles-Chantier, qu'empruntent les habitants de ma circonscription. Ces décisions prises sans concertation ne sont pas acceptables. Dans un contexte d'afflux croissant de voyageurs, ces suppressions répétées et imprévisibles pénalisent fortement les habitants de nos communes dans leur trajet du quotidien. Au-delà de l'enfer que ces habitants vivent au quotidien, cette dégradation de service est antinomique avec nos objectifs en matière de transition écologique qui doivent inciter à privilégier les modes de transport en commun. Ces dysfonctionnements sont d'autant plus compliqués pour les usagers qu'ils s'accompagnent souvent d'un manque d'information de la part de nos opérateurs ferroviaires. Je ne compte plus les témoignages des habitants de ma circonscription qui ont vu leur train supprimé ou arriver en retard sans aucune information préalable. Avec plusieurs de mes collègues franciliens, nous avons déjà alerté à plusieurs reprises la direction générale de la SNCF sur cette situation, en lui demandant de rétablir la fréquence initiale des trains du RERC, soit un train au moins toutes les 15 minutes. Faute de réponse satisfaisante de leur part, et surtout faute d'amélioration de la situation ces derniers mois, je souhaite connaître les mesures envisagées par le gouvernement pour rétablir la fréquence initiale des trains du RERC, afin d'assurer le maintien d'un service public des transports adapté aux besoins quotidiens des habitants de nos communes. Un grand merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Rodouel, merci pour votre question. Je veux d'abord vous rappeler, mais vous le savez parfaitement, que l'organisation des transports publics en Île-de-France ne relève pas directement de l'État, mais relève bien de l'autorité organisatrice des mobilités qui s'appelle Île-de-France Mobilité. Le ministre délégué chargé des transports est évidemment en contact étroit avec IDFM et suit avec attention ce que vous relayez aujourd'hui dans cette question orale sans débat, mais que vous avez déjà fait remonter par d'autres canaux au cours de ces derniers mois, compte tenu du lien étroit que vous entretenez avec les habitants de votre circonscription. IDFM, en dialogue avec l'opérateur SNCF Transilien, doit assurer ces mesures pour que la qualité de service sur le RERC corresponde à ce que les uns et les autres attendent. L'État finance d'ailleurs 935 millions d'euros au titre du soutien des infrastructures du RER dans le cadre du présent contrat de plan État-région. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une série de difficultés. D'abord, le fait qu'après la pandémie et le Covid, IDFM a pris la décision d'adapter son niveau global d'offre de transport en 2020 et en 2021 en réduisant les fréquences compte tenu du fait qu'il y avait moins de voyageurs, ce qui s'est parfois traduit par une dégradation des conditions de transport. La bonne nouvelle, c'est la décision il y a quelques jours qu'en mars 2023, le service reviendrait à 100% de son offre et donc que le bout du tunnel pour les usagers du RERC en termes de fréquence devrait arriver dans les semaines qui viennent. Maintenant, il faut aussi
avoir conscience que certaines suppressions de trains qui affectent la ligne du RERC sont liées à la réalisation de travaux nécessaires, que ces travaux sont liés à des séquences de concertation entre SNCF Réseau, SNCF Transilien et IDFM et sont des travaux de régénération. Et puis que pour être capable de tenir ce plan, il faut recruter des conducteurs. Nous sommes confrontés à des manques de conducteurs. La SNCF se mobilise à l'heure actuelle pour limiter au maximum l'impact sur l'offre de transport de ces manques et pour accélérer les recrutements au travers de nombreuses actions, campagnes de communication, partenariats avec Pôle emploi, avec les mairies, présentation des métiers de conducteurs en milieu scolaire, séances de job dating, bref, de quoi faire en sorte que les ambitions et les engagements qui ont été pris puissent être tenus pour le bénéfice des habitants, mais surtout des usagers de ce RERC. Merci de votre question. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Michel Guignot à monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La parole est à monsieur Michel Guignot. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, si Alphonse Daudet a écrit les lettres de Montmoulin, ce n'est pas demain la veille qu'un écrivain sera inspiré pour écrire les lettres de mon éolienne. Le projet éolien dit de la Ronde des Vents vise à l'installation de 6 éoliennes de 180 mètres de haut sur les communes d'Anteuil-Porte et de Gournay-sur-Aronde, situées dans la 6e circonscription de l'Oise. À cette fin, une entreprise injecterait 4800 mètres cubes de béton, plus 420 tonnes d'acier de ferraillage sur près de 2 hectares de terres arables. Ce projet est une aberration écologique et idéologique qui viendrait s'implanter sur un territoire qui n'en veut pas. L'entreprise indique que ces éoliennes ne produiront qu'un tiers du temps et les deux tiers restants ne seront qu'un cancer métallique au milieu de notre campagne picarde. Il est à relever que sur les 70 emplois qui seraient générés temporairement, aucun ne proviendra du territoire concerné selon nos sources. Le projet est opposé au schéma régional éolien voté par la Picardie, ni avec les principes de protection des paysages et encore moins avec la volonté du peuple. La pollution visuelle imposée viendra dégrader le patrimoine classé, dont la perspective paysagère des Beaumont liée au palais impérial de Compiègne. La densité des éoliennes sur ce territoire est déjà 10 fois supérieure à la moyenne nationale. 28 communes et 23 000 habitants seront concernés par cette implantation. Même dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, une telle opération ne peut se faire au détriment de nos territoires et de la qualité de vie des habitants d'aujourd'hui et de demain. Monsieur le ministre, le Conseil régional des Hauts-de-France et son président, les signataires d'une pétition locale, les élus, les conseils municipaux dans leur majorité, les associations et les habitants de ce territoire sont vent debout, si je puis dire, contre ce projet. Nous vous demandons de faire stopper cette énième hérésie écologique. Allez-vous le faire ? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Présidente, monsieur le député. À l'heure actuelle, nous attendons le rapport du commissaire enquêteur. Puisque, comme vous le savez, une enquête publique s'est déroulée du 2 décembre au 5 janvier. Avant de répondre à une partie des éléments que vous avez évoqués, je ne peux pas ne pas vous redire d'abord la nécessité que nous avons à augmenter la part de nos énergies renouvelables dans notre mix énergétique, et ce n'est pas les temps que nous traversons, en particulier avec la situation en Ukraine, qui diminue cette urgence, même si la vraie urgence de fond, elle est la sortie des énergies fossiles pour faire en sorte que nous puissions lutter contre un dérèglement climatique qui aura des conséquences pas seulement sur nos paysages, mais aussi sur ceux qui les habitent, sur nos écosystèmes, sur les espèces qui y vivent. Et donc la sortie de ces énergies fossiles, elle a un impact crucial sur nos façons d'habiter nos territoires pour faire en sorte que les débats que nous avons aujourd'hui ne nous semblent pas appartenir au passé quand nous nous retournerons. Le projet en question de la Ronde des Vents, qui porte sur l'exploitation de ce parc éolien que vous avez décrit de 6 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison sur les communes de Gournay-sur-Aronde et d'Anteuil-Porte, a fait l'objet d'un certain nombre d'évolutions compte tenu des critiques qui ont été émises. Avant cette enquête publique, le dialogue avec les services de l'État a conduit à ce que la version qui datait de mai 2020 et qui avait reçu un avis
très réservée de la Dreal, je ne parle pas des populations, au titre du paysage, notamment en raison de l'absence de prise en compte de son impact sur des éléments patrimoniaux qui étaient situés dans l'aire du projet. Le nouveau dossier de mai 2021 a aussi pris en considération la présence à proximité de deux autres parcs éoliens qui sont en cours d'instruction au sein de l'étude paysagère pour vérifier que les effets de saturation visuelle et d'encerclement, en particulier pour le parc de Noroy et le parc du Frestois, soient bien intégrés. De même que la question de l'allée des Beaumonts du Grand Parc du château de Compiègne, avec, dans le projet qui est à l'heure actuelle soumis à l'avis du commissaire enquêteur, l'éloignement d'une éolienne de sites à fort enjeu de biodiversité dans le projet remanié. On est à quelques jours de la remise de ce rapport. À ce moment-là, on disposera des éléments qui nous permettront de poursuivre cette discussion. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci, quelques secondes. Oui, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse, qui, me semble-t-il, n'est pas totalement négative, pas complètement positive non plus. Mais soyez assurés, en tout cas, que la population est particulièrement remontée par ce projet dans ce secteur, puisque vous le savez certainement aussi bien que moi, notamment la Picardie et la région de France, qui a sur son sol le plus grand nombre d'éoliennes. Alors, les Picards ont fait de grands efforts pour accepter ces nouveaux moulins, comme un certain nombre de vos collègues nous ont dit. Mais là, cette fois-ci, je veux dire, c'est la saturation pour les paysages, pour le côté patrimonial. Alors, simplement, essayer de veiller, en tout cas, parce que c'est vrai aussi que l'enquête qui s'est déroulée sur 15 jours, puisque les 15 derniers jours, c'était la trêve pratiquement des confiseurs. Ce n'est pas non plus la meilleure période pour mobiliser les citoyens pour aller témoigner. En tout cas, moi, je l'ai fait sur le site du commissaire enquêteur. Merci pour votre réponse et essayez en tout cas d'aider les habitants de cette partie de l'Oise qui n'en peuvent plus. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Thomas Porte à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à monsieur Thomas Porte. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, cette question s'adresse au ministre des Transports et porte sur l'abandon du projet d'extension de la ligne de métro 11 jusqu'à Noisy-Champs, dans ma circonscription. Le prolongement de cette ligne, inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris Express, était prévu jusqu'à Champs-sur-Marne avec la desserte de deux gares à Neuilly-sur-Marne en 2025. Or, aujourd'hui, il apparaît que cette extension est remise en cause et ne figure plus dans le calendrier de réalisation du gouvernement. Ce projet est pourtant indispensable à l'équilibre urbain de l'Est parisien. L'extension de la ligne 11 avait pour objectif de désengorger la fréquentation des RER A et E, déjà saturés, comme nous le mesurons chaque jour, mais aussi de décharger les axes routiers et permettre une alternative à la ligne de bus 113, qui elle aussi est surchargée. Dans la commune de Neuilly-sur-Marne, près de 7000 logements, dont plus de 4000 dans le quartier de Maison-Blanche, ont été programmés avec l'engagement d'être proches d'une future station de métro. En effet, sur les 58 hectares, ce nouveau quartier, très enclavé, accueillera à terme près de 10 000 habitants, un secteur desservi actuellement par la seule ligne bus 113. Il n'est pas acceptable que des habitants qui ont fait le choix de s'installer sur ce quartier en raison de la proximité d'une ligne de métro soient aujourd'hui pénalisés par des choix politiques incohérents. L'abandon de ce projet porte donc un coup certain à l'amélioration des conditions de transport des habitants et de facto à l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autre part, l'extension de cette ligne répond à un enjeu de transition écologique impératif, au moment même où Météo France vient d'annoncer que l'année 2022 a été la plus chaude dans notre pays depuis que nous avons les données enregistrées. En France, monsieur le ministre, vous le savez, le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce secteur, la voiture représente 57% des émissions. Je crois que le prolongement de la ligne 11 comptait parmi ses objectifs la réduction aussi de ces émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. L'abandon de ce projet préoccupe les maires des communes concernées, ainsi que les promoteurs des programmes immobiliers en cours de réalisation. En mai 2018, déjà, Grand Paris, Grand Est réunissait près de 200 élus locaux à Neuilly-sur-Marne pour exiger que le dossier soit enfin accéléré et que les financements nécessaires à sa réalisation soient mobilisés. Sur ce point, il apparaît que ni l'État ni la région n'entendent se porter garant du financement. Pourtant, la contre-expertise menée par le Secrétariat général pour l'investissement a indiqué que le bilan socio-économique de ce projet devait être complété, compte tenu des nouveaux développements urbains entendus et des attentes exprimées par les communes du secteur, monsieur le ministre. Dans la question que j'ai adressée au ministre des Transports en date du 20 décembre dernier, le ministère a indiqué que ces éléments plaidaient en faveur d'une reprise des études
afin d'éclairer les suites à donner au projet. Pouvez-vous aujourd'hui vous engager à ce que cette reprise d'études ait lieu rapidement ? Je crois, monsieur le ministre, au regard des enjeux écologiques, de l'urgence qui est face à nous, que cette reprise de ligne est une nécessité, à la fois pour les habitants qui ont acheté avec la connaissance d'avoir une ligne de métro au pied de leurs appartements, et au regard de leur volonté de ne plus utiliser leur voiture et d'utiliser les transports en commun. Donc, monsieur le ministre, véritablement, pouvez-vous aujourd'hui certifier aux habitantes et aux habitants qu'une étude va reprendre sur la nécessité d'investir et de prolonger cette ligne de métro ? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Thomas Porte. D'abord, vous le savez parfaitement, cette ligne 11 du métro fait actuellement l'objet de travaux pour un premier prolongement jusqu'à Rosny-Bois-Perrier, dont la mise en service devrait intervenir à la fin de l'année 2023. Mais vous l'avez dit, un second prolongement de Rosny-Bois-Perrier vers Noisy-Champs a fait l'objet d'études par Île-de-France Mobilité en 2017. Et ces études ont conduit à un bilan socio-économique négatif du projet, considérant que la fréquentation serait trop faible par rapport au coût qui était estimé à l'époque à 1,5 milliard d'euros. Vous l'avez dit aussi, le secrétariat général pour l'investissement a du coup diligenté une contre-expertise. Dans cette contre-expertise, il a maintenu un avis réservé, mais en considérant que le bilan socio-économique méritait d'être complété au regard en particulier des nouveaux développements urbains attendus sur le secteur du projet, et en particulier à Neuilly-sur-Marne, avec la perspective de nouveaux quartiers, de nouveaux habitants et donc de nouveaux usagers permettant de faire en sorte que le bilan socio-économique de l'opération, quand on regarde le niveau d'investissement, le nombre de passagers qu'on attend et donc les tonnes de CO2 évitées dans une perspective de transition écologique, puisse être révisé à la hausse. Tous ces éléments plaident en faveur d'une reprise des études préalables et cette étude a été sollicitée, monsieur le député, pour que précisément nous puissions, grâce à cette étude, éclairer les suites à donner au projet dans le sens que vous indiquez, à la fois d'accélération de la transition écologique et d'amélioration du maillage. Je termine en vous indiquant, ou plutôt en vous rappelant, que les communes de Noisy-le-Grand et de Champs-sur-Marne seront d'ores et déjà desservies par la ligne 15 sud du Grand Paris Express à l'horizon 2025, puis par la ligne 16 à l'horizon 2030 via la future station de métro Noisy-Champs qui offrira l'interconnexion avec la ligne RERA. Je le mentionne, mais ça n'enlève rien à ce que je viens de vous dire sur cette reprise d'études. Merci, monsieur le ministre. Question de monsieur Gabriel Amar à monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La parole est à monsieur Gabriel Amar. Monsieur le ministre, le 1er février 1954, l'abbé Pierre alertait. 70 ans après, la situation est toujours déplorable. À Villeurbanne, dans ma circonscription, le 16 décembre, environ 30 familles étaient à la rue, dont 80 enfants. Une cinquantaine d'enfants le sont encore. 6 écoles étaient occupées la nuit avant les fêtes de Noël pour les accueillir. Désormais, il y a toujours 4 écoles occupées, Renan, Anatole-France, Nigritel-Noir et Berthelot. 13 familles étaient hébergées dans ces écoles. Dans le Rhône, le plan Grand Froid a été déclenché le 12 décembre 2022. Mais la métropole de Lyon comptait toujours 270 enfants sans hébergement. À Lyon, des parents ont été jusqu'à dépenser près de 2500 euros en chambres d'hôtel par solidarité. Beaucoup des personnes à la rue souffrent de problèmes de santé importants. L'État a été défaillant. Il ne garantit pas le droit au logement ni à l'hébergement d'urgence. Selon le Secours populaire, en 2022, plus de 4 millions de personnes sont non ou mal logées en France. 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement. Pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant impose de protéger les plus jeunes.
Il est urgent de planifier l'hébergement d'urgence pour savoir avec précision où et quand réquisitionner les immeubles vides. Au-delà de l'urgence, c'est une politique globale qu'il faut pour mettre fin aux expulsions sans solution de relogement, encadrer les loyers, encadrer des plateformes de location de logements comme Airbnb, étendre le parc social des bailleurs. Alors ma question, monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour ne plus avoir de personnes à la rue, comme l'annonçait le président Macron en 2017? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le député Hamar, mesdames et messieurs les députés. Chaque nuit, ce sont 200 000 personnes en France qui sont hébergées par l'État afin de répondre aux situations d'urgence et de détresse. Ce chiffre, il n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Jamais. Depuis le 1er janvier 2018, en parallèle de cet hébergement d'urgence, 410 000 personnes ont accédé au logement depuis la rue ou à l'hébergement de longue durée grâce au plan Logement d'abord visant précisément à sortir de ces hébergements de fortune mis en place pour éviter que les gens ne soient dehors. Plus spécifiquement, dans le Rhône sur lequel vous m'interrogez, les capacités du parc d'hébergement ont connu une hausse de 131% en l'espace de 10 ans. Et les dispositifs de logement adapté ont été développés avec près de 14 000 places. Le gouvernement prend donc toute la mesure et se mobilise au quotidien pour les enfants à la rue, dans les squats, dans les bidonvilles qui perdurent malgré les efforts qui ont été entrepris avec le plan logement d'abord que j'évoquais, pour assurer l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans domicile. Le ministre, chargé de la ville et du logement, a déclenché un plan d'urgence enfin à la rue et l'ensemble des préfets sont mobilisés toutes les semaines autour de lui pour regarder la situation, de même qu'Olivier Klein réunit très régulièrement les associations du secteur pour suivre avec elles cette situation. Afin de répondre à la tension existante, les services de l'État dans le Rhône mettent tout en œuvre, y compris avec les collectivités locales, pour garantir une prise en charge prioritaire de ces familles et une orientation vers des solutions de logement dès que cela est possible, ou à défaut de solutions de logement, de solutions d'hébergement. Ainsi, les capacités d'hébergement d'urgence qui auraient dû fermer fin 2022 ont été maintenues et 150 nouvelles places ont même été créées au-delà des 400 qui ont été maintenues. En outre, vous le savez, je pense, le préfet du Rhône a examiné les possibilités de mobiliser des bâtiments publics de l'État adaptés à l'accueil et à l'hébergement des personnes vulnérables, ce qui a à la fois permis d'identifier des sites, mais d'installer aussi des places complémentaires. Le préfet de région continue à la fois de mobiliser ce service, mais l'ensemble des préfets à l'échelle régionale pour identifier des solutions qui puissent être proposées à ces ménages, parce qu'on est aussi parfois dans une situation où les places ne sont malheureusement pas à l'endroit où se retrouvent les personnes qui sont en difficulté. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Hamar, pour 20 secondes. Je vous remercie. 42 000 enfants sans domicile fixe, selon le rapport de l'UNICEF et du SAMU social, lance l'alerte quant aux troubles de santé mentale que génère cette situation, anxiété, dépression, troubles du comportement. Cela n'est pas acceptable dans la sixième puissance économique du monde. Les enfants ont droit à un cocon protecteur. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Thibault Bazin, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à monsieur Thibault Bazin. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, j'associe bien volontiers à ma question sur la RN4 mon collègue de la circonscription voisine, Fabien Di Filippo, avec qui je suis mobilisé depuis plusieurs années pour un aménagement tant attendu par les Lorrains. Nous vous alertons une nouvelle fois sur la nécessité de terminer enfin le passage en 2x2 voies de la RN4 entre Nancy et Strasbourg, dont le dernier tronçon
entre Saint-Georges et Gonier, long de quelques kilomètres, restent à réaliser. Ces travaux sont nécessaires pour des raisons territoriales. Le tronçon est emprunté pour 10 000 véhicules par jour, dont 30% de poids lourds. Économique, il faut soutenir ce territoire enclavé, mais aussi et surtout sécuritaire, puisque ce secteur est le plus accidentogène de Lorraine. Rien qu'entre 2009 et 2016, 13 morts y sont survenus. Ma question de ce jour est plus que jamais d'actualité, car votre très récente décision du 4 janvier 2023, mettant à disposition de la région Grand Est la RN4, suscite de nombreuses inquiétudes quant à la concrétisation du projet de doublement. Afin de les lever, il me faut vous poser 4 questions. Tout d'abord, quelles seront concrètement les conséquences de cette mise à disposition à la région sur le projet de doublement de la RN4? Quel acteur public aura désormais la charge de réaliser ce projet? Il faut que cela soit clair pour donner de la visibilité aux élus locaux concernés. Ma deuxième question concerne l'obtention préalable d'une autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau qui empêchait jusqu'alors l'engagement des travaux. Le 25 janvier 2022, le ministre des Transports avait indiqué à mon collègue Fabien Di Filippo que cette autorisation serait obtenue en 2023. Pourtant, le préfet de Meurthe-et-Moselle m'a informé dans une lettre datée du 8 juillet 2022 qu'elle ne serait finalement pas obtenue avant la mi-2024, ce qui ne permettait pas d'espérer un début effectif des travaux avant 2025. Que va-t-il se passer désormais, monsieur le ministre? L'État va-t-il porter cette demande d'autorisation jusqu'au bout avant de la transférer à la région? Et sous quel délai désormais? Il est important de ne plus perdre de temps dans les études en vue des travaux. Ma troisième question concerne le transfert du foncier acquis par l'État. En effet, pour mener à bien le projet de doublement, les services de l'État ont mené de longues négociations quant au prix d'achat des terrains, notamment agricoles, et ont conduit plusieurs procédures d'expropriation. Aujourd'hui, l'État dispose donc de biens fonciers indispensables au dédoublement de la RN4, mais ne faisant pas pour l'instant partie du domaine public de la RN4 actuelle. Que va devenir ce foncier avec la mise à disposition de la région par l'État de la RN4? Ma quatrième et dernière question concerne le financement. Jusqu'à présent, le démarrage effectif des travaux était conditionné à leur contractualisation dans le volet routier du contrat de plan État-région. La région Grand Est avait d'ailleurs sollicité le ministère par courrier au début de l'année 2022 pour recenser les projets mobilité à effectuer en priorité, parmi lesquels ce tronçon de la RN4. Elle proposait alors un fléchage de 70 millions d'euros à parité avec l'État. Maintenant que la mise à disposition a été actée, quelles vont être, monsieur le ministre, les conséquences sur le financement du doublement? J'attire particulièrement votre attention sur ce point. Certes, le décret du 7 décembre 2022 précise bien en son article 2 que, je cite, « l'État, les collectivités territoriales et les groupements continuent d'assurer le financement des opérations objet du transfert de maîtrise d'ouvrage dans les mêmes conditions de financement que celles stipulées par les contrats de plan État-région ». Mais en l'espèce, le volet routier du CPER 2023-2027 avec la région Grand Est n'a pas encore été signé. D'où ma question, monsieur le ministre, l'État va-t-il être au rendez-vous du financement malgré cette mise à disposition à la région? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Bazin, et vous me permettrez donc d'associer dans ma réponse aussi monsieur le député Di Filippo. Je voudrais vous remercier pour votre question qui, comme vous l'avez dit, non seulement n'est pas simple, mais en plus est suffisamment précise pour qu'il y ait des sous-parties qui nécessitent que je précise les choses rapidement. D'abord, j'imagine que vous vous réjouissez, comme tous les Lorrains, de la mise à 2x2 voies de la section Saint-Georges-Hemmings et de sa mise en service il y a déjà quelques années, et c'est la raison pour laquelle vous insistez sur le chaînon manquant et les étapes qui arrivent. D'abord, vous avez raison, cette question est particulièrement d'actualité puisque le 4 janvier, ce tronçon de route a fait partie, cette RN4, de la portion de réseau routier national mis à disposition de la région Grand Est à sa demande et dans le cadre d'une convention. Dans le cadre de votre première question, les choses sont extrêmement claires. Désormais, le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir, exploiter la RN4 qui a été mise à sa disposition dans le cadre de la loi 3DS et de la convention. Il appartient donc au conseil régional de porter dès maintenant la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement, en particulier celles qui sont inscrites dans le volet routier du CPER 2023-2027. Cette convention, elle entraîne le transfert par l'État au bénéfice de la région de toutes les autorisations préalablement obtenues par l'État. De même, qu'elle conduit à ce que la région puisse bénéficier de tous les terrains et de toutes les procédures d'acquisition foncière en cours, que ce soit par via amiable ou par voie d'expropriation. Pour le cas particulier
de la RN4 qui vous intéresse aujourd'hui. Les services de l'État s'attachent actuellement à obtenir dans les meilleurs délais l'autorisation environnementale qui est effectivement requise pour cette portion. Cette autorisation qui nécessite une mise à jour de l'étude d'impact de l'opération, non seulement pour ce qui concerne la réglementation relative à la loi sur l'eau, la protection des espèces protégées, mais plus largement toutes les thématiques classiques d'une évaluation environnementale, y compris pollution de l'air, nuisances sonores, appréciation des impacts, nous conduisent à effectivement considérer que nous ne pourrons pas obtenir cette autorisation avant 2024. Mais que ce soit l'État ou la région, c'est globalement le calendrier sur lequel nous sommes. Raison de plus pour que, dans l'intervalle, on sécurise le financement. Et ça, ce sera au cœur du CPER, dont les discussions commencent au deuxième trimestre. Merci, monsieur le ministre. Question de madame Josiane Corneloup à monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La parole est à madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je suis interpellée par des collectivités de ma circonscription ayant contractualisé une puissance inférieure à 36 kVA ou ayant plus de 10 salariés qui ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés et voient l'explosion de leurs dépenses énergétiques. Ce qui les impacte très injustement et réduit leur marge de manœuvre budgétaire déjà mise à mal par la suppression de plusieurs de leurs ressources fiscales. Cette augmentation très importante pose la question de la continuité de certains services publics, mais aussi de la commande publique. Dans le même temps, les communes, intercommunalités, mais aussi les syndicats de collecte et de traitement des déchets de ma circonscription m'alertent à propos du triplement d'ici 2025 de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, prélevée par tonne enfouie ou incinérée des déchets ménagers et assimilés. Alors que les collectivités et les services de gestion et de collecte ont, grâce à leurs efforts, considérablement favorisé la réduction des déchets à la source, c'est sur eux et in fine sur les contribuables que le gouvernement a décidé de faire peser le poids d'une taxe aussi inefficace qu'injuste. Inefficace parce qu'aujourd'hui, la baisse des déchets collectés est telle qu'elle ne saurait se poursuivre par la mise en place d'une politique fiscale répressive frappant les seuls foyers fiscaux, quand, dans le même temps, le dispositif de responsabilité élargie des producteurs de déchets, le REP, s'avère loin d'être contraignant et n'incite pas suffisamment ces derniers à développer un modèle économique circulaire propice à une vraie politique de développement durable. Injuste parce que c'est l'État qui bénéficie, au détriment des territoires vertueux, de la manne représentée par la TGAP, alors que le rôle de ce dernier dans les politiques de réduction des déchets demeure très secondaire. Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, qu'il ne s'agit pas de contester ici l'objectif d'une indispensable réduction des déchets, mais de proposer d'y parvenir autrement, en tenant notamment compte du terrible troisième choc énergétique que particuliers, entreprises et collectivités locales doivent affronter. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, il me semble urgent, parallèlement à sa nécessaire redéfinition et à l'étude d'une redistribution plus équitable de sa collecte en faveur des territoires, que la TGAP ne subisse plus de hausse jusqu'en 2025. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la présidente, Madame la députée Josiane Corneloup, merci pour cette question qui traduit votre connaissance de la réalité, effectivement, dans ces premiers jours de l'année 2023, des conséquences de cette trajectoire progressive de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes. J'aimerais juste revenir sur la philosophie qui a conduit en 2019 à ce que cette décision soit prise par un gouvernement et par une majorité de l'époque. L'idée de base, c'est de s'assurer que le stockage de déchets ou son incinération, son enfouissement ou son incinération, ne soit en aucune circonstance moins onéreux que leur recyclage compte tenu du bienfait écologique du fait d'aller réutiliser la matière. Et ça, c'est vraiment ce qui a guidé le fait de conduire dans le cadre de notre politique environnementale cette hiérarchie de traitement des déchets en incitant à leur prévention, en incitant à leur valorisation plutôt qu'à leur élimination ou leur enfouissement. Dans ce contexte, vous l'avez dit, une hausse de la taxe générale sur les activités polluantes centrée sur cette part a été mise en place. Conscient de la nécessité qu'il y ait une forme de cohérence, la loi de finances a d'abord ramené le taux pour les opérations de prévention
ou de collecte des déchets a ramené le taux de TVA à 5,5 pour que là où il y avait une hausse de fiscalité sur la partie TGAP, il y ait une baisse de TVA pour les mêmes budgets locaux d'enlèvement des ordures ménagères. Dans le même temps, il y a également eu la baisse de 5 points, puisqu'on est passé de 8 à 3% des frais de gestion perçus par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les 5 premières années où la part incitative de la TGAP est mise en place. Autrement dit, faire en sorte là aussi que l'État se diminue ses propres recettes, puisque son enjeu n'est pas de gagner plus d'argent, il est uniquement de réorienter les déchets pour qu'on se retrouve dans une situation à la fin où nous sommes collectivement gagnants, et d'un point de vue environnemental, et d'un point de vue budgétaire. La cohérence du dispositif, c'est effectivement la mise en place des filières REP, puisque un des enjeux, c'est que nous n'accueillons plus, je parle pour le compte des collectivités locales, dans des déchetteries qui sont financées par les contribuables, des déchets qui sont issus de filières économiques ou industrielles, et pour lesquelles il ne s'agit pas que ce soit les contribuables qui payent, mais bien les producteurs dans le cadre de cette responsabilité élargie que j'évoquais. L'extension du tri des emballages, le déploiement des tri des biodéchets vise aussi à diminuer les tonnages, et ce sont les tonnages qui sont taxés à la TGAP, et c'est aussi dans ce contexte que le Fonds économie circulaire de l'ADEME fonctionne. C'est donc une politique cohérente, globale, impactée comme d'autres politiques par la crise énergétique que nous connaissons, mais sur une trajectoire qui est la seule viable d'un point de vue écologique et environnemental, qui est la diminution des déchets que nous enfouissons et que nous incinérons pour augmenter la part que nous valorisons. Merci, monsieur le ministre. Question de monsieur Philippe Brun, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à monsieur Philippe Brun. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je vais vous parler ce matin, dans cet hémicycle, d'un projet ancien datant de 1971, c'était justement l'année qu'avait choisi l'ORTF, année qui avait été désignée année des objets inutiles. Et je vais vous parler de cet objet inutile, ce vieux projet, le contournement est de Rouen, promis par Georges Pompidou aux Rouennais et qui, faute d'intérêt général suffisant, n'a jamais vu le jour et que pourtant le gouvernement a décidé de faire renaître en ouvrant en décembre dernier l'appel à concession pour cette liaison A28 A13. Ce projet, monsieur le ministre, est inutile et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce projet, et c'est une exception française de contournement, ne requiert pas l'approbation de la ville contournée, la ville de Rouen, qui a voté défavorablement à ce projet. Ce projet est refusé par l'ensemble des intercommunalités du tracé qui traverse donc l'intercommunalité Covexin, l'agglomération Seineur que j'ai l'honneur de représenter et la métropole de Rouen elle-même. Ce projet ne réduira en rien la congestion de la métropole rouennaise, qui est composée pour plus de 85% de son trafic par du trafic interne. Et puis surtout, monsieur le ministre, vous qui êtes ministre de l'Environnement, ce projet est un désastre écologique. 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires, la mise en danger de captages d'eau importants du territoire que j'ai l'honneur de représenter, la destruction de nos villes et de nos villages et de nos paysage, une catastrophe environnementale, une catastrophe aussi sociale et financière pour les habitants. Cette nouvelle autoroute à péage fera naître autour du territoire que j'ai l'honneur de représenter un mur de l'argent. Ce sont plus de 10 centimes par kilomètre qui seront désormais nécessaires pour les habitants pour aller travailler chaque jour dans la métropole rouennaise. Un coût financier important pour les finances publiques, 1 milliard, et je crois que dans ce moment où nous cherchons tous des deniers publics qui sont rares, nous aurions, je crois, le mérite d'abandonner ce projet. Alors, monsieur le ministre, pourquoi effectivement persévérer ? Dans ce projet, on peut dire que la persévérance est devenue insistance, la résolution est devenue obstination, et la ténacité est devenue absurdité. Mais l'espoir existe. Et j'ai entendu le président de la République faire cette proposition innovante, celle des RER métropolitains. Et je veux croire, monsieur le ministre, que le gouvernement saura abandonner ce mauvais projet et le remplacer justement par cette voie d'avenir que sont les RER métropolitains. Alors, monsieur le ministre, voici ma question. Le gouvernement envisage-t-il d'abandonner ce projet inutile ?
le gouvernement envisage-t-il de le remplacer par la réouverture de la ligne de train entre Évreux, Louviers et Rouen, la réouverture de la ligne de train entre Pont-de-l'Arche et Gisors, pour donner corps à cette promesse de RER métropolitain et de faire entrer la métropole de Rouen, la région Haute-Normandie, dans le 21e siècle? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Philippe Brun, vous connaissez ce sujet parfaitement bien. Et puisque vous le connaissez bien, vous avez porté la voix de ceux qui sont contre. Mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui sont pour. La région et le département en particulier qui soutiennent ce projet de contournement et qui, l'un et l'autre, ont fait en sorte, y compris de s'engager financièrement pour le projet. Je sais l'opposition de la métropole de Rouen-Normandie. J'ai d'ailleurs eu l'occasion à titre personnel d'échanger avec le président de la métropole sur ce projet. Vous savez, et vous l'avez rappelé, sa longévité, son histoire, les débats qu'il suscite, les controverses qu'il entraîne entre ceux qui pointent, et vous venez de le faire, l'ensemble des raisons pour lesquelles il faudrait ne pas le faire, et les raisons que d'autres mettent en avant sur les heures économisées en évitant les embouteillages, sur les emplois maintenus au travers de l'attractivité, sur la qualité de vie des habitants et surtout sur le détournement d'un trafic de transit ou sur la continuité de l'axe Seine qui sont mis en avant par les promoteurs ou les défenseurs de ce projet. Il y a une chose que je peux vous dire de manière extrêmement claire. C'est la nécessité, de toute façon, que l'intégration dans l'environnement ne soit pas une variable d'ajustement et que l'exemplarité du projet, s'il devait se concrétiser, à tout moment, soit prise en compte. C'est le seul engagement que je puisse prendre dans ce format et dans ce contexte, dans cet hémicycle. Vous avez été parfaitement dans votre rôle en faisant en sorte de relayer toutes les raisons pour lesquelles il était souhaitable que le projet ne se fasse pas. Je ne veux ni me faire l'avocat d'un projet que je ne connais pas complètement, ni me joindre aux critiques que vous formulez, puisque vous savez l'actualité du débat et la place à la minute où nous sommes, que l'État prend dans ce débat en écoutant les opposants des uns et des autres. C'est en particulier le rôle de Clément Beaune, dont vous savez la place qu'il occupe. Merci, monsieur le ministre. Question de madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach à monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La parole est à madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, je souhaitais appeler votre attention sur, monsieur le ministre, sur la situation de nombreux habitants de la circonscription, la 9e circonscription de Seine-Maritime, qui sont victimes du phénomène des marnières depuis de nombreuses années. Alors, pour les collègues qui ne savent pas ce que sont les marnières, eh bien, c'était des exploitations, des espèces de grottes géantes. Et la marne, c'est en fait une craie tendre qui permettait, eh bien, additionnée à la terre, de faire en sorte que les rendements de céréales soient plus conséquents que ce qu'ils étaient à la base. Le sujet ne date pas d'hier. On a une collègue sénatrice, Agnès Canayer, qui est très investie sur le sujet. Le regretté Charles Revet, pendant de nombreuses années aussi, s'y est intéressé. Pour souligner notamment le caractère incomplet du système d'indemnisation des particuliers propriétaires qui subissent les conséquences de découvertes de marnières et d'autres cavités souterraines. La présence de ces cavités souterraines donc, est constatée beaucoup dans le pays de Caux, puisque l'exploitation de la marne y a été importante au XIXe siècle, et notamment dans la circonscription. Plusieurs dispositifs existent. On a notamment le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, aussi appelé Fonds Barnier, qui a été mis en place en 1995. Des aides au relogement, parfois, mais temporaires et évidemment d'urgence. Les départements, chez nous en Seine-Maritime et en lien avec les mairies et les élus des intercommunalités, participent à l'aide à l'ingénierie et aux études pour mieux connaître et cartographier les sous-sols dans nos territoires ruraux. Cependant, malgré ces dispositifs, les particuliers qui sont durement touchés par ce phénomène doivent supporter la baisse du prix de leurs biens immobiliers. Dès qu'on découvre la marnière, un matin, vous vous réveillez, vous vous retrouvez avec une suspicion ou alors, pire, vous avez à 3 mètres de votre porte d'entrée un trou béant de entre 10 et 20 mètres de profondeur.
Et donc, dans les mêmes temps, donc je vous indiquais, ils doivent supporter la baisse du prix de leurs biens immobiliers et dans le même temps, eh bien, ils doivent engager des montants de travaux importants pour ou résorber la cavité et sécuriser leurs habitations ou alors, évidemment, eh bien, engager des opérations de sondage extrêmement importantes, de carottage et puis les opérations de comblement. Ils sont donc aujourd'hui nécessaires d'améliorer l'accompagnement de ces familles pour permettre eh bien, une meilleure cartographie des sous-sols dans nos territoires ruraux, afin que les acquéreurs puissent acheter en toute connaissance de cause. J'ai plusieurs exemples de jeunes ménages qui ont acheté des biens et découvrent quelques années plus tard, n'ont pas les moyens eh bien, d'engager tous les sondages et se retrouvent totalement démunis. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous demande de quel dispositif pourrait-on imaginer ensemble pour qu'on ne se retrouve pas eh bien, dans une situation où les intéressés sont, encore une fois, complètement démunis, considèrent qu'il s'agit d'une injustice profonde, alors que ce sont les uns et les autres des personnes responsables qui ne demandent qu'à vivre dans leur bien, comme tout un chacun. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Poussier-Vinsbach, je voudrais vous remercier pour votre question qui témoigne de l'attention que vous avez pour les habitants de votre circonscription et du souci aussi de ce sujet qui ne fait pas forcément la une de la presse sur le plan national, mais qui correspond pour la région dont vous êtes l'élu à une réalité et à un enjeu très fort de prévention des risques naturels, tant ces marnières représentent des cavités souterraines qui présentent les difficultés, les caractéristiques que vous avez indiquées. D'abord l'information. Un site georisque.gouv.fr pour que chacun puisse savoir quelle est la réalité des marnières qui sont présentes sur le territoire. Ce site, il est orienté vers les usagers, notamment les particuliers, pour qu'ils disposent d'une information qui soit à la fois claire et géolocalisée. Mais ce n'est pas tout. Le sujet de l'information est un sujet, mais le sujet financier, compte tenu de ceux qui se retrouvent dans cette situation et des travaux qui sont conduits, est bien le point crucial avec lequel nous nous retrouvons. D'abord parce que ces travaux se chiffrent rapidement en dizaines de milliers d'euros et que la situation de ceux qui doivent y faire face est évidemment très inégale. En l'espace de 2 ans, le gouvernement a relevé le taux de subvention. Il était de 30%, il est désormais de 80%. Ce qui nous reste à faire, et que nous avons à faire désormais, c'est notre projet, c'est d'augmenter le plafond des subventions, puisque on a relevé le pourcentage, mais pas le plafond, et que le plafond est resté à 36 000 euros. Relever ce plafond, c'est se donner les moyens de mieux accompagner les propriétaires, et j'entends dans votre intervention que vous nous invitez à le faire avec encore plus de célérité, de conviction et d'ardeur. Je veux vous dire que c'est très exactement ce à quoi nous allons nous atteler. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler, qu'en cas de valeur de travaux supérieure à la valeur totale de la maison ou en cas de risque majeur, le fonds Barnier peut d'ores et déjà financer le rachat de 100% de l'habitation sans tenir compte du risque dans le calcul de la valeur. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le Ministre, je vous invite dans la circonscription pour concrètement venir voir ce qu'est une marnière et peut-être vous présenter des dossiers, en effet, de personnes qui ont été concernées pour savoir justement jusqu'à quel montant nous pourrions augmenter pour répondre vraiment aux attentes. Merci beaucoup. Madame la députée. Question de Monsieur Jean-Louis Bricout à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre. Le projet de mise en défaut de voie de la route nationale 2 dans l'Aisne était encore, il y a peu, un vrai serpent de mer. L'attention portée à notre territoire, d'abord en avril 2019 par Madame Elisabeth Borne, à l'époque ministre chargée des Transports, et la venue de notre président en novembre 2021 pour la signature de l'acte 2 du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, permettent, en tous les cas, nous l'espérons, tous les espoirs.
Merci de vos bonnes intentions auxquelles j'associe nos grandes collectivités, régions et départements, les services de l'État, notamment la DREAL et notre préfet de région. Mieux irriguer le territoire en même temps que le désenclaver, sécuriser le trafic routier en même temps qu'améliorer le cadre de vie des habitants des communes traversées, tels sont les objectifs poursuivis, mais dans le respect de la biodiversité locale, de nos bocages et des zones humides, de l'environnement au sens large. Notre tirage est belle et je pense qu'elle le vaut bien. Après la concertation publique associant les populations aux réponses pouvant être apportées à ces enjeux, qu'en est-il exactement ? Nos administrés sont en attente de réponses que je vous pose ici directement, Monsieur le Ministre. Quel est le calendrier des futures échéances ? Quelles seront les phases ? Quels seront les tracés ? Sur l'ensemble du tracé, d'ailleurs, Laon à Avesnes-sur-Helpe, les expressions lors des concertations se sont orientées vers des aménagements différenciés par tronçon. Pouvez-vous nous préciser les décisions retenues ? Ces décisions prennent-elles en compte, d'une part, les équilibres entre les volontés de désenclavement et d'irrigation de notre territoire pour son développement et, d'autre part, la préservation des paysages avec ses enjeux de biodiversité ? Concernant les crédits alloués, le volet mobilité du CPER n'est pas finalisé. Pouvez-vous nous donner les délais et nous assurer que d'éventuels retards ne viendront pas contrarier les crédits nécessaires aux études en cours et aux premiers aménagements ? Je vous remercie de vos réponses. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Jean-Louis Bricout, vous le savez, la concertation qui a été organisée début 2022, conformément à la décision de la Commission nationale du débat public du 2 juin 2021, a associé le public à la définition d'un parti pris d'aménagement à la RN2 entre Laon et Avesnes. Cette concertation, qui confirme les attentes locales d'un aménagement de cet axe en accordant la priorité à la déviation des communes traversées par la RN2 actuelle, je sais combien vous la suivez, pas seulement dans cet hémicycle, combien vous avez été un avocat inlassable sur votre territoire et dans la circonscription de la nécessité de ces travaux de sécurisation. Le 8 novembre 2022, le ministre délégué chargé des Transports a signé les orientations pour la poursuite du projet de mise à deux fois deux voies de la RN2 en adéquation avec le pacte pour la réussite de la Sambre avesnois Thiérache, lui-même signé en novembre 2018, en présence du président de la République et en tenant compte des enseignements tirés de la concertation. La concertation a notamment souligné l'importance de l'insertion environnementale, de la minimisation des impacts sur l'agriculture, de l'infrastructure qui va être réalisée. Et nous lançons donc les études pour nous assurer que ces éléments issus de la concertation seront bien pris en compte. Du fait de l'envergure du projet, de la mise en œuvre des aménagements qui se fera de manière progressive, les premiers travaux, compte tenu des temps d'études et de procédures, ne commenceront sans doute qu'en 2025. Puisqu'il nous faut l'ensemble de ces éléments. L'État, en parallèle, engage des études globales sur l'itinéraire d'études et sur les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement de la RN2 à Voyennes, dans le prolongement de la section qui est déjà aménagée au sud de Marle. Ces travaux qui viennent de s'achever en fin d'année 2022 et qui ont été financés sur les crédits du CPR 2015-2022 vont permettre la mise en service, je crois, dès la semaine prochaine de cette portion. En accord avec les acteurs locaux, pour la suite, la priorité sera donnée sur les déviations de communes qui sont traversées par l'ARN dans l'avenir. Et la phase de concertation qui a vocation à être réalisée dès maintenant porte sur le contournement de Froidmont-Coarty en vue d'arrêter une variante à présenter dans l'enquête publique préalable à la DUP. Sur le schéma de financement, c'est le contrat de plan État-région dont nous aurons l'occasion de rediscuter dans la continuité du COI et pour lesquels les discussions avec les territoires concernés ont vocation à commencer au deuxième trimestre de cette année. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre, de vos réponses. Et vous pouvez peut-être nous confirmer tout ça par écrit. Cette semaine, monsieur le ministre, sort en salle « La guerre des Lulus » de Yann Samuel, tournée d'ailleurs en tirage avec au Familistère de Guise, Familistère Gaudin, l'Utopie sociale et l'Abbaye de Saint-Michel. Je vous conseille d'ailleurs ce film. Vous verrez combien, en fin de compte, notre tirage est belle et qu'elle mérite toutes ces attentions particulières. Et je vous remercie de contribuer, en fin de compte, à son développement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.
Question de Madame Anna Pic à Madame la ministre de la Transition énergétique. La parole est à Madame Anna Pic. Merci Madame la Présidente, Monsieur Ministre, puisque... Depuis son instauration en 2020, le dispositif MaPrimeRénov', dont l'objectif est de permettre aux Français les plus modestes de rénover leur logement, connaît un succès non négligeable. En effet, avec plus d'un million de demandes enregistrées depuis son lancement, la volonté des citoyens de réduire leur consommation d'énergie et de protéger la planète est bien réelle et c'est une excellente nouvelle. Néanmoins, l'engouement autour de ce dispositif est contrarié par un certain nombre de difficultés procédurales rencontrées par les demandeurs. À ce sujet, la Défenseure des droits publie en octobre dernier un rapport dans lequel elle critiquait vivement MaPrimeRénov', faisant état de graves dysfonctionnements techniques récurrents concernant les démarches administratives à effectuer. Être versée trop tardivement et entraînant de lourdes difficultés financières, éléments de dossier impossibles à modifier, délais d'instruction interminables ou encore difficultés d'accès à un conseiller. Les complications s'accumulent, comme en attestent les 500 réclamations reçues par l'autorité à l'origine du rapport. Plusieurs témoignages de citoyens de ma circonscription corroborent cela. À titre d'exemple, un jeune couple parent de deux enfants en bas âge accède à la propriété et décide d'engager l'installation d'une pompe à chaleur et de fenêtres plus performantes pour son logement. Après avoir déposé le dossier complet sur le site de l'ANA au mois d'avril 2022 et avoir obtenu une réponse favorable, ils engagent les travaux puis envoient les factures acquittées à l'ANA pour le remboursement des frais avancés. En septembre 2022, ces usagers sont toujours en attente du paiement. Les découvertes mensuelles s'accumulent, tout comme les avertissements de leur établissement bancaire. Par ailleurs, l'obligation de créer un compte sur le portail informatique du dispositif est particulièrement décriée puisqu'elle est à l'origine d'une rupture d'égalité devant le service public. Si la transformation numérique des services publics est bienvenue et présente un objectif que nous partageons tous, elle ne doit pas se faire de façon déshumanisante en complexifiant les démarches et in fine en éloignant les usagers en difficulté avec les outils numériques. Les éléments développés jusqu'ici sont corroborés par de nombreux témoignages de citoyens issus de ma circonscription. Alors que l'ANA, chargée de piloter le dispositif, annonce un délai de traitement des dossiers de 2 semaines, nombre d'entre eux sont toujours sans réponse plusieurs semaines ou mois plus tard. Cette situation est problématique puisqu'elle entraîne la caducité des devis demandés aux entreprises et impose de renouveler les démarches pourtant effectuées au préalable. En outre, l'ensemble des échanges de courriels sur la plateforme informatique de l'ANA ne sont pas à disposition des demandeurs, ces derniers n'ayant donc aucune trace de leurs échanges avec l'agence et ne disposant d'aucun recours. La rénovation énergétique des bâtiments est une absolue nécessité dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique et est une source d'économie considérable pour les Français. Dès lors, que comptez-vous faire pour remédier aux complications rencontrées par les usagers du dispositif MaPrimeRénov' et permettre une instruction plus efficiente des dossiers ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Anna Pic, merci également pour votre question. D'abord parce que c'est l'occasion de souligner la mise en place de ce dispositif de soutien à la rénovation énergétique. Et vous l'avez dit, cette rénovation énergétique, c'est une nécessité à plus d'un titre. D'abord dans le cadre de la lutte contre les dérèglements climatiques, parce que nous savons que des bâtiments qui sont mal isolés participent au réchauffement climatique. Mais là où parfois, sur une partie des politiques écologiques, le débat entre la fin du jour, entre la fin du mois pardon, et la fin du monde se font jour, là, on voit bien que les deux convergent et on a une mesure qui est bonne pour le climat et qui est bonne pour le pouvoir d'achat de ceux qui sont concernés. Le choc particulier que nous vivons à l'heure actuelle sur le plan énergétique renforce la nécessité, l'intérêt et la pertinence de ce dispositif. Ce sont plus de 1 500 000 usagers depuis le lancement en janvier 2020 qui ont bénéficié du dispositif de MaPrimeRénov'. C'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lyon qui a été économisée par notre pays et par ceux qui sont concernés grâce à ces dispositifs. Alors bien sûr, nous avons des axes d'amélioration. Vous avez cité un chiffre, celui des dossiers signalés par la Défenseure des droits. Et moi, le chiffre que j'ai, c'est pas 500, c'est 600. Donc c'est même encore un peu plus que vous. J'aimerais d'abord le ramener à la réalité. C'est 0,04% des dossiers. On peut décider de braquer les projecteurs sur les 600 dossiers qui vont pas ou sur le 1,4 million qui va bien. Et je veux vous indiquer qu'en octobre dernier, 91% des dossiers signalés par la Défenseure des droits ont été accompagnés dans leur démarche. Et que les autres, au fur et à mesure qu'ils nous sont transmis, le sont bien évidemment.
le gouvernement n'a qu'une envie, et l'ANA à travers lui, c'est de faire en sorte qu'on puisse conduire le plus grand nombre de dossiers. La suite, c'est comment on continue à améliorer le dispositif et à le simplifier. On a aujourd'hui des angles morts. Dans ces angles morts, il y a la question des copropriétés, parce qu'il faut réunir une majorité qui est parfois complexe. Or, on sait que pour résoudre des problèmes de passoire thermique, en particulier quand il y a des travaux à faire par l'extérieur du bâtiment, la volonté de un des propriétaires à l'intérieur ne suffit pas et qu'on a besoin de pouvoir emporter tout ça. On a la question de l'information, qui elle aussi peut s'améliorer. C'est le sens de France Rénov' créé en 2022 et de Mon Accompagnateur Rénov', qui sont censés être des dispositifs qui facilitent les parcours des ménages et qui remettent de la relation humaine, telle que vous l'appelez de vos voeux, pour que la procédure ne soit pas uniquement digitalisée, mais qu'on puisse avoir ce type de conseil. Et on en connaît l'importance pour nombre de ménages dans notre pays. Dans quelques jours, il y aura dans cet hémicycle un débat autour de la rénovation thermique et des moyens qui pourraient être donnés aux collectivités locales et à l'État pour le faire au travers du tiers financement. J'appelle évidemment de mes voeux que ce soit une occasion d'aller approfondir ce qui se fait déjà pour les particuliers avec MaPrimeRénov' et que nous devons optimiser. Merci, Monsieur le Ministre. Question de Monsieur Frédéric Petit à Monsieur le Ministre auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question concerne le certificat de nationalité française dans le cadre de demandes de naturalisation d'un conjoint ou d'un enfant pour les Français installés hors de France. Elle s'adresse en fait à l'ensemble du gouvernement et de l'administration. Cette procédure, qui repose sur un décret de 1993, exige de Français, même titulaires d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, mais nés hors de France, de refaire la preuve de leur nationalité. C'est une procédure lourde, absurde et injuste. Elle est lourde. Malgré les récentes mesures entrées en vigueur au 1er septembre dernier, et que je salue, c'est un véritable parcours du combattant pour tout demandeur, puisque le certificat de nationalité française le fait rentrer dans une démarche judiciaire et non plus administrative. C'est une usine à gaz de documents à fournir, il faut remonter sur des certificats de mariage de plusieurs générations, ajoutant une charge de travail considérable pour les tribunaux qui doivent vérifier en plus l'authenticité de tous les documents requis, qui sont bien entendu souvent écrits dans des langues étrangères. Deuxièmement, elle est complètement absurde, puisqu'elle n'est pas exigée pour tous les Français, mais exigée uniquement pour les Français qui ne sont pas nés en France. Elle est absurde parce que le même agent consulaire qui vient de me donner 15 jours ma carte d'identité, en me serrant la main, qui m'a permis de voter aux élections avec cette carte d'identité, va m'interdire, sauf à faire une procédure de 3 ans, de déclarer mon enfant ou de rentrer dans d'autres procédures. Elle ne concerne que quelques procédures. Je n'en ai pas besoin pour les bourses, je n'en ai pas besoin pour voter, mais pour quelques procédures administratives. Et puis, évidemment, comme elle est absurde, elle n'est pas appliquée de la même manière, parce que nous avons des agents qui sont intelligents. Donc, en fait, les témoignages que j'ai, y compris à l'intérieur de ma propre circonscription, fait que certains agents oublient de la mettre en œuvre parce qu'elles savent qu'elle est absurde. Et donc, eh bien, il y a des agents, souvent des agents qui sont jeunes, qui débarquent, qui ne prennent pas le risque et qui l'appliquent de manière très autoritaire. Et puis il y a des agents un peu expérimentés qui disent « De toute façon, bien sûr, je vais déclarer votre enfant et je ne vais pas déclarer votre enfant uniquement quand il aura 3 ans. » Voilà. Donc, ma question est la suivante. Cette procédure, qui est à la limite de l'anticonstitutionnalité d'ailleurs, fait intervenir 3 ministres régaliens, la justice, l'intérieur et les affaires étrangères. Quelle concertation est à l'ordre du jour pour résoudre cette situation ubuesque dans le cadre de la simplification administrative? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel. Je ne le dirai qu'une fois, votre titre, madame la ministre, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, madame la présidente, et évidemment, il n'y a aucun sujet. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Petit, je connais votre engagement, en particulier sur votre circonscription et l'importance que vous donnez à accompagner les Français de l'étranger au quotidien. Dans le cas de la demande d'acquisition effectivement de la nationalité française, il y a un certain nombre de points. Je vais aller droit au but. Celui de la compétence exclusive du ministère de l'Intérieur pour instruire les dossiers. Le certificat de nationalité est exigé dès lors que
l'ensemble des informations, par exemple la naissance en France des deux parents eux-mêmes nés sur le territoire ou la présence sur l'acte de naissance du conjoint de la mention nationalité française n'était pas inscrite. Il se trouve, monsieur le député, que moi-même, c'est sur mon acte de naissance qui est inscrit mon acquisition, puisque mes deux parents étant étrangers au moment de ma naissance sur le territoire français, ils avaient fait la démarche pour l'inscrire. Cependant, monsieur le député, la production du certificat de nationalité française est exigée. En 2021, il y a eu 11 169 demandes. Sur les 11 169 demandes par des Français de l'étranger, 8 898 ont fait l'objet d'un refus, ce qui signifie que 80% ont été refusés par l'autorité judiciaire. Seulement 2 271 ont été établis par les juridictions judiciaires. C'est ce qui justifie pleinement et même génère malheureusement des tensions et des incompréhensions de la part effectivement des Français vivant à l'étranger. Cependant, le demandeur est invité du coup à faire valoir le plus vite possible cette demande, l'urgence de sa demande également. Et le ministre vous fait savoir qu'aujourd'hui il y a une démarche qui est portée par les agents pour solliciter l'inscription la demande du certificat de nationalité française sans délai dans une éventuelle demande ultérieure de nationalité française pour gagner du temps et répondre à ces désagréments de délai, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Oui, je vous remercie, madame la ministre. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une démarche où je suis depuis 3 ans, vous l'avez rappelé, et je crois que je ne parle pas du certificat de nationalité française pour acquisition de la nationalité française. Il est utile, et qu'il soit lourd, ça ne me dérange pas. Je parle bien d'une absurdité qui fait qu'on le redemande à certains Français qui ont leur carte nationale d'identité, qui viennent de recevoir leur passeport 15 jours avant dans le même consulat. C'est l'application, c'est du réglementaire, on n'arrive pas à en sortir à cause de l'organisation en silo de l'administration, il faut enlever ce caillou dans notre chaussure. C'est une absurdité que le même agent consulaire qui vient de me donner mon passeport, qui vient de me permettre de voter, parfois j'ai même le cas d'un assesseur aux élections, qui est français, qui a sa carte d'identité, qui est de parents français, de grands-parents français, eh bien non, pour déclarer son enfant ou pour déclarer son épouse, eh bien non, là, ces deux démarches-là, il faut qu'il fasse 3 ans en justice. C'est merci, une absurdité. Merci, monsieur le Je député. Vous remercie. Question de monsieur Francis Dubois, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à monsieur Francis Dubois. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger ce matin sur le projet de création, sur ma circonscription en Corrèze, d'une unité hospitalière spécialement aménagée, une UHSA, au sein du centre hospitalier du Pays des Gurandes et à destination de patients détenus dont le profil psychiatrique est incompatible avec le maintien sur leur lieu actuel de détention. En juin 2019, la feuille de route du ministère de la Santé sur la santé des personnes placées sous main de justice prévoyait la création de places en UHSA. Une première série d'unités est aujourd'hui en fonction, mais elle ne répond pas entièrement à la demande croissante des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire. De fait, de nouveaux établissements, comme le centre hospitalier du Pays des Gurandes, ont déposé leur dossier de candidature afin d'étoffer l'offre. En Corrèze, la future unité serait intégrée au pôle existant de soins intensifs et sécurisés du centre hospitalier du Pays des Gurandes. Les prises en charge s'exerceraient au sein des deux services dotés d'équipes dédiées et pluridisciplinaires. Les atouts principaux qui font de ce centre un candidat de choix pour l'ouverture d'une nouvelle UHSA sont son expertise psychiatrique, son habitude à gérer des patients détenus et sa situation géographique centrale, proche de plusieurs centres pénitentiaires, d'Uzerche, Tulle, etc., proche des villes de Brive ou Clermont-Ferrand, pourtant au cœur d'une zone blanche, puisque les unités les plus proches sont à plus de 3 heures de route. Le centre hospitalier du Pays des Gurandes a ainsi présenté un projet complet et détaillé, tant sur le plan médical que financier ou humain. Tout est prêt pour accueillir cette nouvelle unité. Il manque cependant l'aval des autorités. Ministre de la Santé et ministère de la Justice se renvoient la balle depuis des mois sur ce dossier sans que rien n'avance. Je vous demande aujourd'hui, monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer où en est le processus de validation des nouvelles candidatures, si des arbitrages ont été faits afin que des décisions soient prochainement prises et un calendrier de démarrage des projets. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député. Tout d'abord,
Je vous remercie pour la question. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, m'a transmis de fait sa réponse que je vous porte. Il y a actuellement 9 unités hospitalières spécialement aménagées, accueillant des personnes détenues, nécessitant effectivement l'administration de soins psychiatriques en hospitalisation complète ouverte sur le territoire métropolitain. C'est une capacité de 440 places en réalité, mais pour améliorer l'offre de soins et de prise en charge, il est prévu la création de 3 nouvelles unités et l'implantation a été validé en 2022. À ce stade, les régions concernées sont la Normandie, l'Île-de-France et l'Occitanie, qui accueilleront chacun une nouvelle unité permettant l'ouverture de plus de 160 places supplémentaires. La prise en charge sanitaire des personnes détenues, et en particulier sur les questions de santé mentale en prison, constitue une des priorités du garde des Sceaux, il me l'a rappelé, en lien bien sûr avec le ministre de la Santé et de la Prévention. Elle fait aussi l'objet d'une feuille de route. Et c'est là où, monsieur le député, ça va vous intéresser. Puisque cette feuille de route pluriannuelle, conjointe entre ces ministères, a comme objectif l'amélioration des soins des détenus. Et dans cette nouvelle feuille de route, Santé et Justice 2023-2028, elle est en cours d'élaboration. Et donc, je vous indique, sans préjuger des conclusions du garde des Sceaux et du ministre de la Santé, que les spécificités de votre région et les observations que vous avez formulées ce jour seront évidemment intégrées dans le cadre des travaux actuellement en cours. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, madame la ministre. Monsieur le député, vous souhaitez répondre ? Merci, monsieur le député. Question de Madame Ercilia Soudé à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Madame Ercilia Soudé. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse de France, depuis la rentrée, les 34 élèves de seconde Polaris du lycée Charlotte Delbault à Dammartin-en-Gouëlle n'ont toujours pas de professeur de français. Un poste de maths sciences du même lycée n'est également toujours pas pourvu. Cette situation est indigne et inacceptable. Elle est contraire aux obligations de l'État en matière d'accès à l'enseignement public. Elle risque de pénaliser lourdement des enfants qui passeront le bac dans à peine plus d'un an maintenant. Dans le cadre de la funeste réforme du bac de votre prédécesseur et de son corollaire Parcoursup, un tel manquement aux obligations de l'État risque de priver d'études ambitieuses de nombreux élèves méritants. Dès le 22 septembre 2022, j'avais pourtant alerté monsieur le recteur de l'Académie de Créteil de ces postes non pourvus. Par courrier du 13 octobre, monsieur le recteur avait qualifié, dans la droite ligne de votre propre audition auprès de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ces difficultés de ponctuelles. Il avait proposé de recourir au dispositif de remplacement interne à l'établissement. Outre que ces dispositifs sont contraires aux intérêts des personnels comme des élèves, ils ne correspondent aucunement à la situation présente qui dure depuis bientôt 5 mois. J'avais alors alerté vos services le 1er décembre en vous demandant de vous impliquer personnellement dans ce dossier. Si une telle situation s'était présentée dans un grand lycée parisien, tout le monde sait que le problème aurait été résolu dans la semaine, quitte à y dépêcher un enseignant en sous-service. Les élèves de Dammartin-en-Gouëlle ne valent pas moins que ceux de l'école alsacienne. Ce mépris à l'égard des enfants de ma circonscription doit cesser immédiatement. Il n'est certes pas facile, après des années de destruction du métier et de l'éducation nationale, de trouver un enseignant disponible pour quelques heures seulement à 30 km de Paris. Mais il est de votre devoir, même à fond perdu, d'assurer l'égalité républicaine en matière d'instruction. Et d'autre part, il convient désormais de proposer des dispositifs supplémentaires pour tenter de rattraper une demi-année de cours perdus. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour que les lycéens du lycée Charlotte Delbault puissent bénéficier de l'instruction à laquelle ils ont droit ? Merci, madame la députée. La parole est à madame la ministre. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée. Il n'y a pas un élève. Il n'y a pas un enfant qui a moins de droits qu'un autre, qu'il soit en territoire rural, qu'il soit en territoire urbain, qu'il soit en REP plus. En réalité, la seule chose qui émancipe, c'est l'école. Et donc, à aucun moment, ni le ministre, ni même le ministère et ses agents et les professeurs ne regardent les élèves en les différenciant. Mais madame la députée, vous posez la question des remplacements des professeurs absents. C'est la préoccupation quotidienne du ministre de l'Éducation nationale. Quotidienne, parce qu'elle touche la continuité, parce qu'elle touche la question de l'égalité, parce qu'elle touche en réalité aussi la confiance des parents et la capacité d'élever par l'école. Madame la députée, en 2022, c'est plus de 18 400 personnels en équivalent temps plein qui ont été mobilisés pour les remplacements. C'est plus de 5,23% des effectifs. Et on ne s'habituera jamais et on se satisfera jamais tant qu'il y a encore des manques dans nos classes. Cela
est possible de continuer grâce à des mesures complémentaires, comme déplacer le temps de formation ou d'autres obligations des enseignants en dehors du temps passé devant les élèves. Il n'en demeure pas moins que certaines difficultés subsistent. C'est la réalité. Et il ne faut pas se cacher les yeux. Elles existent et elles peuvent être dépassées. Au sujet de la situation que vous évoquez, le poste vacant en mathématiques et en sciences a été pourvu depuis 15 jours. Cependant, concernant les heures de lettres modernes, il existe un besoin encore de 6 heures qui n'a pas été couvert. Et c'est dans ce détail-là, dans cette finesse-là, Madame la députée, que les remplacements sont suivis au plus haut niveau, au niveau du cabinet du ministre lui-même. Les services académiques sont pleinement mobilisés, je les connais en plus particulièrement, pour trouver des solutions dans les meilleurs délais. La priorité, ce sont évidemment les élèves. Recrutement de contractuels, mobilisation des titulaires en zone de remplacement, tous les moyens sont mis en œuvre. Les services de l'académie restent en tout état de cause particulièrement vigilant quant à cette situation et à ses effets pour les élèves, pour les familles, bien sûr, et pour la mise en place de toutes les mesures utiles pour répondre à ce besoin. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, alors vous parlez notamment du recrutement des contractuels pour pouvoir remédier à ces postes vacants. Alors justement, à ce sujet, je m'interroge parce que de nombreux professeurs contractuels n'ont pas été renouvelés, et ça c'est le cas chaque année, parce qu'ils approchent de la CDIsation. Et donc du coup, je me demande véritablement si vous faites tout ce qu'il faut pour recruter le bon nombre d'enseignants, sachant que lorsque les professeurs contractuels approchent de la CDIsation, ils commencent à avoir une certaine expérience, et je trouve dommage de se passer de leur service. Par ailleurs, je vous ai parlé de Dammartin, mais j'aurais pu vous parler de Lomperrier, où une vingtaine d'heures de français ne sont pas assurées dans le lycée. J'aurais pu vous parler de Moussilvieux, qui vient, enfin, d'une école en fait, qui vient juste d'avoir enfin un enseignant pour remplacer une institutrice absente. J'aurais pu vous parler du lycée de Mitry-Mory, où il y a eu un nombre de postes vacants extrêmement importants à la rentrée. J'aurais pu vous parler du lycée de Lagny-sur-Marne, où 5 postes n'étaient pas remplacés l'an dernier, ce qui avait causé une fronde chez les parents. J'aurais pu vous parler de mon propre collège, où on a mis très longtemps à pouvoir me remplacer. Bref, je vis avec mes administrés dans une zone véritablement sinistrée. Et donc je m'interroge réellement sur cette égalité que vous défendez entre chaque enfant. Mandela disait qu'un pays, une société qui ne se soucie pas de l'éducation de ses enfants n'est pas une vraie nation. Et je me demande véritablement, Madame la Ministre, si la France est une vraie nation. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre, 10 secondes. En 10 secondes, Madame la Présidente. La France est une grande nation. Et son honneur, c'est d'élever ses enfants par l'école. Et aucune des difficultés n'est ignorée, Madame la députée, sur aucun des territoires. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on recrée l'énergie nécessaire pour recruter des contractuels, les CDIser, les intégrer dans les discussions les plus complètes, parce que c'est pour les enfants d'abord. Merci, Madame la Ministre. Question de Monsieur Alexandre Portier à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Monsieur Alexandre Portier. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La politique en matière d'éducation prioritaire vient de fêter ses 40 ans, mais malheureusement, ce fut un triste anniversaire. En effet, l'égal accès à la réussite de nos élèves, tant espéré, n'est toujours pas au rendez-vous. Les disparités entre élèves scolarisés en REP et hors REP se creusent et sont de plus en plus défavorables pour nos élèves en REP, voire catastrophiques pour nos élèves en REP+. En 40 ans, le nombre d'écoles et de collèges concernés a presque doublé. Les dispositifs et les expérimentations se sont démultipliés, d'autant plus depuis 2017. Pourtant, toujours aucune évaluation en vue. Aucun bilan tiré de ces actions. Alors comment juger de l'efficience d'une politique sans procéder à son évaluation? Pourquoi étendre des dispositifs dont on ne mesure pas les effets? Ce que nous savons de manière certaine, c'est qu'en 2023, la carte scolaire met toujours sur le bas-côté la ruralité. Ce délaissement a enfin été mis en lumière avec la diffusion de la carte des indices de position sociale, les fameux IPS, des collèges à la rentrée 2022, et ce à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris. Monsieur le ministre, vous avez annoncé votre souhait de refondre la carte du réseau d'éducation prioritaire en 2023 pour une mise en œuvre dès la rentrée 2024. C'est bien, mais quand procédera-t-on à une évaluation de la politique de l'éducation prioritaire et de tous les dispositifs qui y sont raccrochés ? À quand un cap clair et n'ayant que pour seul objectif l'égalité, l'égalité entre élèves, l'égalité entre enseignants, l'égalité de moyens et surtout l'égalité de réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous parlez d'égalité. L'égalité, c'est un des piliers en réalité de notre société. Et au-delà même de cette égalité, non pas de moyens, au-delà de ça, l'égalité des chances, c'est mettre des moyens supplémentaires dans les territoires qui en ont le plus besoin pour permettre aux élèves, aux enfants qui, par le mérite, par l'investissement, par l'effort qui est le leur, auront les mêmes chances de se construire. Et donc, finalement, eh bien, de grandir dans notre si beau pays. Monsieur le député, vous avez raison sur la question de l'évaluation. Pour continuer une politique, il faut l'évaluer et évacuer ce qui ne marche pas. Avec beaucoup d'objectivité et de rationalité, peut-être corriger ce qui marche moins bien et surtout généraliser ce qui fonctionne. Il se trouve que dès juin 2017, le ministère a chargé l'ADEP d'évaluer le dispositif 100% réussite au CP. Le dispositif d'évaluation a porté plus spécifiquement sur les mesures de dédoublement classe de CP en REP+, qui a été mis en place à la rentrée 2017, dans l'objectif de mieux construire les apprentissages fondamentaux chez les élèves, pour le coup parfois les plus fragiles, mais aussi de réduire ces inégalités et ces difficultés scolaires. Les résultats montrent que la réduction de la taille de la classe en REP+ semble avoir un effet sur la progression des élèves en français spécifiquement et en mathématiques, au cours des deux dernières années, en tout cas sur les enseignements élémentaires. Parmi la cohorte d'élèves entrés en CP 2027, ceux en REP+ progressent plus que les élèves dans les écoles ayant les mêmes caractéristiques socio-scolaires, mais n'ayant pas bénéficié du dédoublement. Par ailleurs, en réponse aux recommandations de la Cour des comptes et de la mission territoire Azéma Mathieu, celle de 2019, le ministère a lancé une expérimentation qui est destinée à tester des modalités de priorisation territoriale. Donc, ce sont les contrats locaux d'accompagnement, les fameux CLA, pour le coup que vous connaissez puisque vous hochez très largement de la tête, monsieur le député. Cette expérimentation a commencé dès la rentrée 2021 dans des écoles, des collèges et des lycées. Les CLA sont établis par l'autorité évidemment académique, c'est le plus proche du territoire et je crois que c'est la strate la plus judicieuse. Atténuer, l'objectif est simple, atténuer les effets de seuil de la carte scolaire, traiter les questions aussi des territoires ruraux ou encore des lycées et des écoles dites orphelines. Quand on connaît des territoires plus isolés. Les classes se sont donc ajoutées aux expérimentations territoires éducatifs ruraux et du plan Grand Marseille qui a une spécificité territoriale. Enfin, monsieur le député, pour être courte et vous permettre de réagir si vous le souhaitez, évidemment dans le cadre de cet échange, nous travaillons à l'horizon de la rentrée 2024 sur la politique d'éducation prioritaire afin de mettre en cohérence, et je crois que c'est ce que vous appelez de vos voeux, la carte de l'éducation prioritaire, celle de la carte de l'éducation prioritaire renforcée, aujourd'hui datée, puisqu'elle n'a pas été revue, et vous l'avez dit vous-même, monsieur le député, depuis 2014, avec une réalité sociale et territoriale qui a évolué depuis. Et donc, vous le voyez, l'éducation prioritaire a effectivement fêté son anniversaire. Je crois que ça reste l'honneur de notre pays que de regarder les territoires en fonction eh bien, de leurs difficultés et en leur donnant les moyens, dont l'objectif est très simple. Affiner encore plus la connaissance des caractéristiques sociales et scolaires en cohérence avec la politique de la ville pour renforcer la réussite des élèves, bien sûr, dans chacun de nos établissements et dans chacun de nos territoires, quelle que soit leur beauté et leurs opportunités. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Question de Madame Christine Le Nabour à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel. La parole est à Madame Christine Le Nabour. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur l'aide exceptionnelle de 200 euros attribuée dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA. Cette aide a été communiquée nationalement comme venant en déduction des frais d'inscription à une session d'approfondissement ou de qualification au BAFA effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Une aide octroyée sans condition de ressources. Des familles m'ont interpellée sur ma circonscription, m'indiquant que celle-ci n'avait pas été déduite, les obligeant à avancer les 200 euros promis, et ce malgré des sessions d'approfondissement effectuées par leur enfant sur l'année 2022. Lors d'échanges avec les organismes de formation ainsi qu'avec les services déconcentrés de l'État compétent, il m'a été précisé que l'attribution des aides avait été laissée à l'appréciation de chaque direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, les DRAGES, dans la limite de l'enveloppe allouée. Chacune d'entre elles a dû établir des critères plus restrictifs que les conditions communiquées initialement du fait d'une enveloppe totalement consommée. Je sais qu'une enveloppe supplémentaire a été débloquée, mais n'est, semble-t-il, pas suffisante. Ainsi, je m'interroge sur la mise en œuvre concrète de cette aide. Est-il envisagé d'assurer la mise en œuvre concrète et totale de cette mesure et répondre favorablement aux familles ? Je profite de mon intervention pour saluer l'engagement des jeunes dans les métiers de l'animation
et la pertinence, bien sûr, de cette aide de 200 euros qui en facilite l'accès. Nous savons tous ici les difficultés de recrutement dans ce secteur sur nos territoires. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Je connais votre engagement en particulier dans le secteur de l'animation et plus largement sur les politiques jeunesse. Madame la députée, ils sont rares les projets et les dispositifs qui dépassent l'espérance qui a été la nôtre. Ça a été le cas aujourd'hui de cette aide exceptionnelle pour le BAFA. On avait prévisionné 5,4 millions d'euros sur le renouveau de l'animation et de la politique jeunesse, en particulier sur les métiers de l'animation. Et on avait prévu plus de 20 000 aides de 200 euros, effectivement. Plus de 27 000 ont été distribuées et, effectivement, une rallonge a été faite. Compte tenu des alertes qui sont les vôtres, Madame la députée, je demanderai évidemment à mes services de consolider l'ensemble des éléments restrictifs qui ont été établis territoire par territoire et je pourrai évidemment rendre compte à la représentation nationale de ces différentiels, voire de trouver les solutions pour qu'aucune famille ne soit lésée après évaluation, évidemment, de l'investissement nécessaire et complémentaire. Madame la députée, je crois que nous vivons un tournant pour le monde de l'animation, pour le monde de l'éducation populaire plus largement. Le comité de filière a commencé très largement à travailler et à produire les premières mesures, les premières réponses, en complément des 25 mesures portées par le plan du renouveau de l'animation. Il se trouve que le BAFA est reparti, ça repart même très bien, ce qui est très bon signe en termes de cohésion, en termes de capacité à embarquer un certain nombre de nos jeunes, mais aussi la capacité à rendre le continuum éducatif, l'éducation populaire au quotidien sur nos territoires, réalité pour tous. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Je remercie, Madame la ministre, au nom des familles et des jeunes, surtout, qui s'engagent dans ce secteur. Merci. Question de M. Thomas Ménager à M. le ministre des Armées. La parole est à M. Thomas Ménager. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaite interroger aujourd'hui le ministère des Armées, et je regrette l'absence de notre ministre, mais je ne doute pas que vous pourrez m'apporter une réponse, sur un sujet majeur pour le développement économique de mon territoire situé à l'est du Loiret. Alors que la zone d'emploi du Montargois connaît un taux de chômage de l'ordre de 10,1%, c'est-à-dire supérieur à la moyenne nationale, la reconversion du terrain militaire de Gondreville, qui s'étend sur 28 hectares, peut ouvrir des perspectives importantes pour la création d'emplois. Le souhait des acteurs locaux est aujourd'hui celui du développement d'activités économiques sur ce site. Cependant, le ministère, qui est aujourd'hui propriétaire du foncier, semble aujourd'hui privilégier l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque. Le terrain militaire se situe pourtant à un endroit qui paraît idéal pour y installer une zone d'activité. Contiguë à une zone industrielle déjà existante, sur le banc de la commune de Corquilleroy, l'installation de nouveaux acteurs économiques serait de nature à accroître le dynamisme du territoire. Proche de la 77 et de la 19, la création de cette zone d'activité couplée à la construction d'un nouvel échangeur permettrait une desserte routière rapide et un désengorgement du secteur nécessaire du fait de la zone déjà existante. Le délaissé d'autoroute adjacent, ainsi que les ouvrages de génie civil déjà préexistants, notamment les ponts, permettraient de réaliser ces aménagements pour un coût très limité. Déjà desservi par une voie ferrée, le site pourrait aussi aisément être affecté à une activité logistique respectueuse de l'environnement et il y a déjà des investisseurs dans le domaine qui se sont positionnés. Faisant partie des rares zones déjà artificialisées sur le territoire, son aménagement ne remettrait pas en cause la destination de terrains agricoles. Il apparaît logique, notamment au regard de l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, que je partage, d'affecter ce site à la création de valeur. L'installation de panneaux photovoltaïques questionne à cet égard sur la plus-value réelle d'un tel projet. Quand bien même cette installation trouvait une raison d'être, le recours à des entreprises locales serait limité, et donc l'impact sur le chômage aussi. À plus forte raison, elle n'offre aucune perspective à long terme, alors que l'urgence sur notre territoire est bien entendu de résorber le chômage. Enfin, une installation similaire est déjà en cours sur un terrain à quelques kilomètres à Amilly, et donc je pense que notre territoire a déjà pris sa part en matière de photovoltaïque. La communauté de communes des Quatre-Vallées a d'ores et déjà, elle, fait part de son intérêt pour l'acquisition du terrain et souhaite y développer des projets économiques. Il y a urgence parce qu'il y avait des investisseurs il y a quelques années et suite à l'absence de réponse du ministère, les investisseurs sont partis. Aujourd'hui, il y en a des nouveaux et donc nous attendons une réponse. Donc les conditions d'un travail constructif avec les différents acteurs sont réunies. Donc nous attendons aujourd'hui de votre part, Madame les ministres, et donc de la part du ministère des Armées, une réponse. Donc quels sont vos projets pour le terrain de Gondreville et est-ce que vous pouvez aujourd'hui pour le ministre des Armées, prendre l'engagement d'une cession aux acteurs locaux, aux collectivités qui souhaitent développer un tel projet sur notre territoire. C'est important. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous apporte la réponse du ministre des Armées qui m'a demandé de vous la transmettre, puisque le centre de stockage dont vous parlez des minières, effectivement, c'est une surface de 28 hectares implantée dans la commune de Gondreville, dans votre département. Ça a été désaffecté en 2018, vous connaissez parfaitement le sujet, monsieur le député, ça s'est entendu dans votre question, et il a été déclaré inutile aux besoins des armées en 2019. Il a alors été décidé d'étudier son devenir au profit du développement des énergies renouvelables via le fameux parc photovoltaïque que vous avez évoqué. Un appel à manifestation d'intérêt a été publié en décembre 2020. Dans le fameux courrier du 9 février 2021, le sénateur du Loiret, Hugues Saury, avait appelé l'attention déjà du ministre des Armées suite à une sollicitation de la communauté de communes des Quatre Vallées au sujet du projet d'implantation d'un groupe industriel de cette friche militaire. C'est l'élément évoqué, monsieur le député, lors de votre question. Et à la demande de la ministre des Armées de l'époque et sous l'égide du sous-préfet de Montargis, une concertation locale a été engagée pour trouver une solution qui puisse à la fois permettre le développement d'une activité économique et la valorisation photovoltaïque, mettant en suspens la procédure d'appel à manifestation d'intérêt. Cette solution permettrait de favoriser à la fois l'emploi et la nécessité de développer des énergies renouvelables, dynamique dans laquelle s'inscrit le ministère des Armées. Le projet initial a cependant été abandonné par l'industriel en novembre dernier. Par ailleurs, l'étude pyrotechnique des sols de cette emprise a établi un risque de pollution pyrotechnique. De ce fait, le ministère des Armées a l'obligation de s'assurer que l'état des sols soit compatible avec des projets d'usage futur, la cession de ce terrain ne pouvant s'opérer sans avoir un projet d'usage futur finalisé. Vous hochez de la tête, donc vous maîtrisez totalement la procédure, monsieur le député. Il n'est donc pas actuellement envisageable de céder le terrain à la CC4V, donc à la communauté de communes des Quatre Vallées, sans avoir une idée précise du projet de reprise. Dès lors, le ministère des Armées a demandé à ce que les échanges se poursuivent entre l'État et la collectivité pour pouvoir bâtir ensemble le projet le plus pertinent pour le territoire. Les deux vocations envisagées ne sont pas incompatibles. Le futur projet pourra, en raison de la surface totale, comporter une partie à vocation industrielle et une partie de développement d'énergie renouvelable. Le ministère sera attentif et accompagnera les acteurs locaux pour qu'ils soient le plus impliqués, évidemment, sur cette procédure. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, madame la ministre. Monsieur le député, 30 secondes. Je vous remercie pour ces réponses. Donc, bien entendu, nous allons attendre les retours aussi, je crois, de l'Angleterre par rapport au bombardement à une certaine époque. Bien entendu, ce n'est pas de prendre des risques pour le territoire. Et tout à fait, possibilité de développer un projet industriel avec sur le toit des panneaux photovoltaïques. Mais derrière, il y aurait une création d'emplois, bien entendu, bien plus importante. Le terrain s'y prête. Donc, j'attends vraiment de la part du ministère une vraie diligence pour qu'on ait une réponse rapide, pour que les acteurs puissent être présents au rendez-vous et que ce projet pour notre territoire et pour les emplois puisse arriver dans les prochaines années. Merci, monsieur le député. Question de madame Françoise Buffet à monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. La parole est à madame Françoise Buffet. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, dans le cadre de la crise sanitaire, les États membres de l'Union européenne ont mis en place une période de flexibilité en faveur des travailleurs transfrontaliers qui exercent une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence. Cela permettait d'éviter un changement de législation applicable en matière de couverture sociale du fait d'un recours accru au télétravail. Ces dispositions exceptionnelles devaient s'éteindre en juin 2022, faisant courir le risque aux télétravailleurs d'un retour en arrière. Elles ont été prolongées une première fois jusqu'au 31 décembre 2022, puis une seconde fois jusqu'au 30 juin 2023. Ces délais doivent permettre de mener à leur terme les travaux de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de faire évoluer le droit européen. Une inégalité pourrait se faire jour entre les salariés qui exercent leur emploi sur le territoire national et ceux qui télétravaillent. En raison des règles sociales, les transfrontaliers pourraient en effet être contraints de réduire leur temps de télétravail, alors que ce n'est généralement souhaité ni par eux-mêmes ni par leurs employeurs. J'ai récemment été sollicitée par un habitant de Lingolsheim dans ma circonscription du Bas-Rhin, employé par une entreprise allemande. Le développement du télétravail durant la Covid lui a permis d'être disponible pour s'occuper de son fils handicapé. Par ailleurs, le gain de temps dans les transports et la réduction du stress ont amélioré sa productivité, si bien que son employeur comme lui-même plébiscite aujourd'hui le recours au télétravail.
Pourtant, ils pourraient être contraints de revenir travailler en Allemagne si les accords devaient s'éteindre sans modification du droit. À l'évidence, cet exemple est loin d'être isolé. La crise a conduit à une remise en cause de nos priorités et à une évolution de notre rapport au travail. Il convient d'accompagner ces changements et non de les brider. Aussi, face à ce qui apparaîtrait aux yeux des travailleurs transfrontaliers comme un retour en arrière, comptez-vous défendre auprès de vos homologues et de la commission administrative une évolution du droit afin de garantir à ces employés la possibilité de télétravailler comme leurs homologues nationaux? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Buffet. Je vous apporte la réponse du ministre du Travail, puisque, comme vous le soulignez, les États membres de l'Union européenne ont, dans le cadre de la crise sanitaire, mis en place la fameuse période de flexibilité en faveur des travailleurs transfrontaliers qui exercent une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence. L'objectif est évidemment d'éviter un changement de législation applicable en matière de couverture sociale du fait d'un recours accru au télétravail. Alors, cette période transitoire a récemment été prolongée jusqu'au 30 juin 2023, mais vous l'avez rappelé, Madame la députée, pour permettre au groupe ad hoc chargé de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'assister dans l'analyse des conséquences du développement du télétravail et donc la réflexion sur les aménagements éventuels des règlements européens à mener en termes et à terme de ces travaux. Le ministère, représenté par sa direction de la sécurité sociale ainsi que par l'URSSAF et la Caisse nationale, participe extrêmement activement à ces travaux et rendra son rapport, je pense, au plus tard à la fin du mois de mars 2023. Donc c'est imminent. L'objectif de ces travaux sont triples: définir le télétravail, justifier l'adoption d'une règle particulière compte tenu de ses spécificités, étudier les possibilités offertes dans le cadre juridique actuel pour appréhender les situations de télétravail partiel ou total, en explorant notamment la possibilité offerte par l'article 16 du règlement qui permet à deux ou trois ou plusieurs membres de l'Union de conclure des accords dérogatoires sur la législation de la sécurité sociale applicable, ce qui touche évidemment les États transfrontaliers. Proposer des modifications des règles de coordination dans le cadre des révisions actuelles afin de mieux refléter la réalité et les spécificités du télétravail. Et par ailleurs, Madame la députée, au niveau bilatéral, les services du ministre amorcent très prochainement des négociations avec la Suisse également en vue de conclusion d'accords dérogatoires aux règles de coordination des systèmes de sécurité sociale. Madame la députée, pour conclure, le ministre souhaitait souligner qu'en matière fiscale, la Suisse et la France ont d'ores et déjà trouvé un accord sur le régime fiscal pérenne sur le télétravail. Et comme vous le constatez, les services du ministre sont pleinement mobilisés afin d'accompagner au mieux le développement du télétravail sur nos territoires. Voilà, Madame la députée, je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Question de Monsieur Pierrick Berthelot à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. La parole est à Monsieur Pierrick Berthelot. Merci, Madame la Présidente, excusez-moi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de l'Union sportive du Pays de Cassel, USPC, pour sa qualification samedi soir et qui jouera donc les 16e de finale de Coupe de France contre le PSG. Ma question s'adresse donc à Monsieur le ministre délégué auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique chargée des comptes publics, représenté par M. le secrétaire d'État. L'arrêté du 30 décembre 2020 est venu modifier l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Si cette simplification s'avère être une bonne chose, demandée par de nombreuses communes, il apparaît que les dépenses d'acquisition et d'aménagement du terrain ne sont désormais plus intégrées dans la nouvelle assiette du FCTVA. Cela met en grande difficulté financière de nombreuses communes de ma circonscription. Le cas du stade de football de Norpen et Tixi, exemplaire. Pour maintenir en Régional 1 l'équipe de football de l'USPC, l'association qui regroupe 12 communes et qui représente un total de près de 9587 habitants doit obligatoirement avoir des structures répondant à des normes spécifiques énoncées par la Fédération française de football.
C'est pourquoi la commune de Norpen a accepté d'accueillir en accord avec les autres communes de nouvelles structures répondant aux normes édictées par la Fédération française de football. Ce projet supracommunal consiste en la création d'un terrain de football synthétique avec tribune et éclairage à la place de l'actuel terrain d'honneur en gazonné. Le futur terrain ainsi que l'éclairage en LED de plus d'1 million d'euros respecteront les normes environnementales actuelles et prochaines. La commune de Norpen a donc engagé une somme de 265 547 euros dans ce projet, escomptant un remboursement de 200 884 euros via la FCTVA. Or, le changement d'assiette par le biais de l'automatisation est arrivé en cours de construction du stade, ce qui bouleverse complètement l'équilibre financier du projet qui s'est achevé en novembre 2022. Sans le remboursement du FCTVA, la commune de Norpen voit son équilibre budgétaire gravement menacé, d'autant que la soudaineté du changement des règles d'éligibilité du FCTVA prend au dépourvu cette commune qui a engagé de lourds investissements en escomptant ce remboursement. Ce projet de stade s'inscrit dans un projet de redynamisation du centre-village de la commune avec la rouverture de restaurants, la construction d'une nouvelle zone résidentielle ou encore la création d'une nouvelle boulangerie. C'est donc un projet très important pour Norpen qui combat la précarité et la désertification rurale. L'investissement dans ce stade de football était donc très important pour la commune, mais elle ne s'attendait sûrement pas à devoir sacrifier sa santé financière dans ce projet du fait de la perte d'éligibilité au FCTVA. C'est donc un projet essentiel pour la vivacité de cette commune rurale et nécessaire, puisque comme je l'ai évoqué au début de mon intervention, l'équipe de l'USPC a besoin d'équipements répondant aux normes de la FFF. Le gouvernement doit soutenir ce type de projet structurant pour les petites communes. Je demande donc à Monsieur le ministre si le gouvernement serait prêt à accorder une exception à cette inéligibilité pour le projet de stade de football de la commune de Norpen, afin qu'elle puisse retrouver un équilibre budgétaire mis à mal par la soudaineté de l'automatisation du FCTVA en cours de projet. Je remercie Monsieur le maire de Norpen, son premier adjoint et le vice-président de l'USPC qui sont présents ce jour depuis la tribune de cet hémicycle afin d'espérer, tout comme moi-même, une réponse positive à leur demande. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Et bonjour à tous et à toutes. Monsieur le député, vous le savez, l'article 251 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Vous parliez de soudaineté. Cette loi a donc été votée il y a plus de 2 ans et mise en œuvre depuis 2 ans, et c'est la 3e année de mise en œuvre. Cette réforme consiste à remplacer une procédure manuelle par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a le droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Le gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés, vous les avez mentionnés, dans un objectif, vous le comprendrez, de neutralité financière de la réforme. Le compte 212, agencement et aménagement de terrain, n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il comporte des dépenses hors taxes qui sont de ce fait nécessairement inéligibles au fonds. Le compte 2051, concessions et droits similaires, etc., ne fait pas non plus partie de la nouvelle assiette automatisée car il enregistre des dépenses inéligibles au FCTVA. En revanche, le gouvernement a élargi l'assiette du FCTVA aux dépenses de services de l'informatique en nuage, par exemple, selon un taux de 5,6%. Les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État, s'avère globalement favorable aux collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du fonds en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives pour les communes et notamment les petites communes. En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements, en faveur des bénéficiaires au régime du versement N+1, dit N+1 notamment. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation est donc favorable à l'investissement public. L'inclusion des dépenses des comptes 212 et 205 n'est pas envisagée à ce stade. Évidemment, un bilan de la réforme de l'automatisation du fonds sera conduit une fois que la dernière partie des collectivités aura basculé dans l'automatisation, soit dans le courant de l'année 2023. Merci.
Merci, monsieur le ministre. Question de monsieur Pierre Daréville à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. La parole est à monsieur Pierre Daréville. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, l'inflation fait des dégâts dans tous les domaines. Énergie, logement, alimentation, le prix du pain, monsieur le ministre, avec des boulangers qui sont en grande difficulté et qui ne souhaitent pas d'ailleurs forcément répercuter leurs difficultés financières sur le prix de la baguette, mais qui se trouvent, je crois, malgré un certain nombre de mesures que vous avez prises, face à des difficultés considérables. Et je pense que vous n'en avez pas pris la mesure. J'espère que vous allez corriger tout cela. La vie est chère. Trop cher pour beaucoup de foyers. Le pouvoir d'achat des Françaises et des Français ne cesse de se dégrader. Et les retraités qui ont vu leur pouvoir d'achat sévèrement entamé ces dernières années ne sont pas en reste. Et malgré les déclarations marketing du moment sur la réforme des retraites, je crois que vous n'y voulez rien changer. Avec la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, vous avez décidé de quelques revalorisations insuffisantes pour faire face avec... notamment une augmentation des aides au logement de 3,5% et du montant des retraites de 4,5%. Ces augmentations sont en deçà des besoins pour vivre dignement et inférieures à l'inflation galopante. Mais j'ai été saisi dans ma circonscription, monsieur le ministre, par des retraités qui ont vu leur pension revalorisée d'une trentaine d'euros, ce qui a eu pour conséquence une baisse du montant de leur APL par un effet de seuil. On m'a également rapporté que l'augmentation du point d'indice avait fait baisser de moitié la prime d'activité de certains agents de la fonction publique et que des primes exceptionnelles distribuées aux agents de catégorie C dans la fonction publique d'État avaient même conduit à sa suppression complète sur plusieurs mois. Donc vous imaginez les difficultés, mais aussi la colère que cela suscite avec ce sentiment que le gouvernement donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. On ne peut donc en rester là. Comme vous avez fait quand même pas mal de publicité sur ces mesures discutables, je voudrais connaître les analyses que vous portez sur leurs effets réels, sur le pouvoir d'achat, savoir si vous avez vous-même identifié des problèmes de ce type et si vous avez envisagé la possibilité peut-être de relever un certain nombre de seuils, en tout cas de corriger les mauvais effets pour qu'il y ait de véritables augmentations du pouvoir d'achat qui soient au rendez-vous. Bref, avez-vous quantifié, monsieur le ministre, ces situations et que prévoyez-vous pour les prendre en compte ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Député Pierre Desravines, merci de votre question. Vous parliez de prendre à la mesure de la situation. Je pense que la mesure, le gouvernement l'a prise. Et puisque vous parlez de mesure, je vous rappelle quand même que la mesure de l'inflation en France, elle est deux fois moins importante que dans de nombreux pays en Europe. L'inflation en France est inférieure à partout ailleurs. Et c'est en grande partie aux mesures adoptées par le gouvernement et votées par cette majorité qu'on le doit. Vous avez parlé du pouvoir d'achat des retraités. Je vous rappelle que le pouvoir d'achat des retraités modestes, il a augmenté ces dernières années. Contrairement à ce que vous dites et à ce que le secrétaire général de votre parti dit sur tous les médias, je l'ai entendu en parler, les retraités modestes ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Depuis avant la crise sanitaire, le pouvoir d'achat des Français dans leur ensemble a augmenté malgré la hausse de l'inflation récente. Il est bon qu'on le note. La France aujourd'hui préserve, protège le pouvoir d'achat de ses concitoyens bien mieux qu'ailleurs en Europe. Pour autant, vous l'avez dit, un certain nombre de hausses votées d'ailleurs par cette majorité se traduisent par des effets de seuil. Et donc il faut qu'on garde sur les cas particuliers. Et je vous engage d'ailleurs à nous en alerter par écrit si vous le souhaitez pour que nous puissions regarder avec les services les cas particuliers auxquels vous faites référence. Nous n'oublions pas pour autant, vous faisiez référence à l'aide personnalisée au logement, que nous l'avons aussi, elle, augmentée. La loi portant mesures d'urgence en matière de pouvoir d'achat a procédé à l'anticipation au 1er juillet 2022 de la revalorisation des paramètres de dépenses de logement des APL. Elle a fixé cette revalorisation, vous le savez, à 3,5%. Un décret a procédé à l'anticipation du 1er juillet 2022 de la revalorisation des paramètres de ressources des APL, cette fois-ci de 4%. L'APL a à nouveau été revalorisée au 1er janvier. Le seuil des ressources annuelles, au-delà duquel l'aide commence à décroître, a augmenté de 1,7%. Limitons donc les effets de seuil auxquels vous faites référence. Le ménage verra son APL augmenter encore lors de son versement fin janvier. J'ai quelques exemples ici que je serai prêt à partager avec vous, mais je le répète, si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à les partager avec nous. Nous sommes conscients de ces effets de seuil qui existent malheureusement dès qu'on met un seuil dans une mesure. Mais j'imagine que vous êtes d'accord avec nous sur le fait que les APL doivent être elles-mêmes réservées aux ménages les plus modestes et donc ont par construction dans leur dispositif des effets de seuil inhérents au dispositif lui-même. Merci. Monsieur le député.
Oui, monsieur le ministre, je constate qu'effectivement nous sommes d'accord sur l'existence de potentiellement de difficultés liées à des effets de seuil. Simplement, je voudrais me permettre de réagir à ce que vous venez de dire sur les APL. C'est-à-dire que le fait que des personnes qui y étaient éligibles auparavant ne le soient plus parce qu'il y a eu des revalorisations de pensions ou de points d'indice, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y avaient droit avant qui n'auront plus droit aujourd'hui, alors que leur situation en réalité n'a pas changé. Donc je pense franchement qu'il faudrait regarder de plus près cet aspect des choses. Moi, je suis prêt à partager avec vous les éléments qui m'ont été rapportés bien volontiers, si ça peut permettre de faire avancer les choses, et je n'en doute pas. Donc je le ferai. Concernant l'augmentation, c'est vrai que le gouvernement, l'augmentation du prétendu du pouvoir d'achat, il faudra expliquer ça à tous les gens que je rencontre dans ma circonscription qui n'en ont pas tout à fait la même approche. Vous dites que finalement elle a été deux fois moins importante qu'ailleurs, sauf qu'en réalité les augmentations que vous avez faites sont deux fois moins importantes aussi que l'inflation réelle, puisqu'elle est calculée à près de 6%. Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, c'est 3,5% d'augmentation pour les APL. Bon, voilà, on n'y est pas du tout, monsieur le ministre, là-dessus. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Aurélien Taché à monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La parole est à monsieur Aurélien Taché. Merci, madame la présidente. Chers collègues, monsieur le ministre, je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que c'est la vérité, c'est hallucinant. C'est quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Voilà comment, au mois de novembre 2002, l'influenceur Dylan Thierry a fait la promotion sur son compte Snapchat d'un médicament miracle qui détruirait les cellules cancérigènes dans le corps avant l'apparition des symptômes. Catastrophique, n'est-ce pas ? Je suis interpellé depuis des mois dans ma circonscription sur l'ampleur des arnaques liées aux influx voleurs. Un sujet qui fait écho à mon travail sur les abus publicitaires des paris sportifs en ligne qui touchent, dans les deux cas, en priorité les jeunes des quartiers populaires, qui, pour beaucoup, sont dans des situations très précaires. C'est ainsi que j'ai décidé de lancer un travail d'expertise sur le sujet et de me rapprocher des principaux lanceurs d'alerte et collectifs. Le sujet des influx vendeurs enflamme régulièrement les réseaux sociaux, notamment avec l'exposition des placements de produits frauduleux, shampoings aux compositions douteuses, régimes dangereux pour la santé, ou commandes qui n'arrivent jamais, dropshipping, et même une arnaque CPF pour en faire un outil de fraude et de détournement de fonds publics. Ces cas sont désormais nombreux et largement relayés par des collectifs de victimes, juristes ou simples citoyens. Les pouvoirs publics, et notamment le gouvernement, ont tardé à réagir. La DGCCRF, chargée des contrôles, n'est pas aujourd'hui dotée des moyens financiers et techniques pour agir, et de très nombreuses escroqueries restent impunies, alors que des sanctions pourraient déjà être prises si une véritable volonté existait. Afin de sécuriser encore davantage ces activités et surtout de protéger les consommateurs, j'ai déposé au mois de novembre une proposition de loi visant à poser un premier cadre légal à l'activité des influenceurs et à définir un nouveau régime de responsabilité applicable à ces derniers. En effet, le premier vide à combler pour pouvoir agir contre les pratiques frauduleuses est de définir dans la loi ce qu'est un influenceur. Ensuite, un grand nombre d'influenceurs ne mentionnent pas le caractère publicitaire de leur publication, il faut donc une obligation et des sanctions. Par ailleurs, il est aujourd'hui impossible de signaler une pratique frauduleuse ou contraire aux dispositions légales sur la publicité sur la plupart des plateformes ou réseaux sociaux. Ma proposition de loi pose l'obligation pour les opérateurs de plateformes en ligne de mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant de pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses. Des textes législatifs encadrent déjà la pratique des partenariats commerciaux et les professionnels du secteur réunis au sein de l'ARPP ont adopté de bonnes pratiques visant à clarifier les situations permettant de définir les conditions à partir desquelles la collaboration doit être mentionnée et selon quelles modalités. Certains travaillent aussi sur des labels, comme le tout nouveau label Influence, mais force est de constater, en pratique, que de nombreux contenus à caractère publicitaire n'indiquent pas l'existence du partenariat entre influenceurs et annonceurs et que le cadre légal est insuffisant, enfin que l'autorégulation des acteurs ne saurait suffire. Depuis le dépôt de ma proposition de loi, Bruno Le Maire a annoncé le lendemain d'une consultation citoyenne, mais aussi des mesures législatives, des mesures réglementaires et la création d'un statut d'influenceur. Par ailleurs, le député Vogetta a annoncé déposer cette semaine une proposition de loi pour une meilleure régulation du secteur et le gouvernement envisagerait un texte au mois de mars à l'Assemblée nationale. Je vous adresse donc aujourd'hui deux questions. Que faut-il attendre de la consultation citoyenne que vous avez lancée et sera-t-elle réellement prise en compte ? Qu'attendez-vous pour sanctionner les arnaques qui peuvent déjà l'être à droit constant ? Et une dernière, pourquoi ne pas reprendre ma proposition de loi et retravailler ensemble à partir de ce cadre consensuel et concerté ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Présidente, monsieur le député Aurélien Taché, merci pour votre question. Je voudrais d'abord commencer par saluer votre travail, vous y avez fait référence. Également le travail des députés Vogetta et Delaporte qui sont eux aussi extrêmement mobilisés sur le sujet.
Et vous l'avez dit, il est important. Vous l'avez vu, le gouvernement, et par la voix du ministre Bruno Le Maire, est pleinement mobilisé sur ce sujet. Le secteur de l'influence, la création de contenu, il faut le reconnaître aussi, est un formidable vecteur de créativité, d'inventivité, de richesse économique qui prend une ampleur croissante avec la numérisation de nos sociétés. La majorité des personnes, il faut aussi le rappeler, travaillant dans ce milieu, respectent les règles. Il y a beaucoup plus de bons influenceurs, de bons créateurs de contenu que de mauvais. Pour autant, vous l'avez dit, ces dernières années, l'image du secteur a été ternie par certains agissements, vous en avez cité certains, qui peuvent aller jusqu'à mettre en danger la santé des consommateurs, et ces comportements doivent évidemment être combattus. Dans une démarche assumée de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, vous y serez associé comme l'ensemble des parlementaires qui souhaitent y contribuer, et en tant que ministre de l'économie et de la consommation, Bruno Le Maire a décidé d'organiser à Bercy le 9 décembre dernier une grande table ronde autour de l'influence pour lancer les travaux. Elle a rassemblé une trentaine d'acteurs de tout type, plateformes numériques, agences d'influence, annonceurs, universitaires, etc. 8 groupes de travail sont organisés entre janvier et février pour poursuivre ce travail qui exclut tout préjugé. Ce secteur est riche, il faut l'encadrer pour éviter les abus sans le charger de contraintes démesurées. Nous souhaitons aussi aider le secteur à trouver ses lettres de noblesse, en l'accompagnant dans la mise en place de ce qu'on appelle l'influence responsable. L'objectif est clair, protéger les consommateurs français et les influenceurs créateurs de contenu. La France se doit, comme sur beaucoup de domaines, de donner l'exemple. C'est dans ce même esprit de démocratie participative que Bruno Le Maire a lancé une grande consultation publique. Vous y avez fait référence sur 12 mesures permettant de mieux encadrer les droits et obligations des influenceurs créateurs de contenu. Elle est disponible jusqu'au 31 janvier sur le site mec.org et a d'ores et déjà énormément de succès avec des dizaines de milliers de réponses en quelques jours. Ces mesures ne sont à ce stade qu'une ébauche de solutions susceptibles d'évoluer au fur et à mesure des suggestions. Les mesures proposées sont d'ordre législatif, réglementaire, relèvent d'une valorisation des dispositifs existants. Vous le voyez, pour répondre à votre question, nous allons faire tout ce qu'il faut pour rendre ce secteur responsable. Évidemment, j'allais dire, pendant les travaux, les ventes continuent. Si des comportements délictueux sont observés, ils doivent être poursuivis, enquêtés. Ça fera l'objet, évidemment, du travail de l'administration. Bref, nous ne lâchons pas ce sujet extrêmement important. Merci, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Question de madame Laetitia Saint-Paul à madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales. La parole est à madame Laetitia Saint-Paul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voulais avant tout vous dire ma reconnaissance d'avoir, dans le projet de loi de finances 2022, allongé d'un an le bénéfice du pacte de stabilité pour les communes nouvelles. Cette décision est déterminante pour ma circonscription, notamment pour la commune nouvelle de Douai-en-Anjou. Déterminante, mais malheureusement non pérenne. En effet, depuis la nouvelle classification de l'INSEE relative aux densités de population, la commune de Douai-en-Anjou est désormais considérée non plus comme une commune rurale, mais comme une commune urbaine de densité intermédiaire. Cette nouvelle catégorie, appuyée par une définition peu concordante avec les réalités du territoire, impacte la garantie de perception des montants de dotation de l'État, pourtant considérée comme une incitation financière au moment de la volonté de création des communes nouvelles. La perte brutale de dotation de l'État entraînera indéniablement un arrêt des politiques d'aménagement du territoire dans ces zones pourtant bien rurales, classées dorénavant comme étant urbaines de densité intermédiaire. Ainsi, en ce qui concerne Douai-en-Anjou, la commune nouvelle a démontré une réelle plus-value. Dynamisme économique, touristique, démographique, économie d'échelle. Depuis sa création en 2016, Douai-en-Anjou a été particulièrement exemplaire sur les politiques publiques mises en œuvre dans les domaines du logement social ou de la zéro artificialisation nette. Or, cette exemplarité a de fait impacté le calcul de densité. Une commune exemplaire, victime de l'être. Une perte de dotation non cohérente avec la réalité de ce territoire rural serait vécue comme une sanction et impacterait directement le développement local. En ce sens, Monsieur le Ministre, les communes de densité intermédiaire pourraient-elles réintégrer le dispositif législatif concerné? Et de manière plus globale, quelle est la vision du gouvernement quant aux communes nouvelles nées de la volonté des pouvoirs publics? Je vous remercie.
Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée pour votre question. Vous appelez mon attention sur la situation de la commune nouvelle de Douai-en-Anjou chez vous au regard de l'article L2334-22-2 du Code général des collectivités territoriales. Cet article, vous l'avez dit, introduit par la loi de finances 2022, entre en vigueur dès cette année. Il permettra aux communes nouvelles regroupant plus de 10 000 habitants de percevoir la dotation de solidarité rurale, alors même que le dépassement de ce seuil de population les y rend normalement inéligibles. Or, si la commune de Douai-en-Anjou remplit bien les deux premières conditions d'éligibilité, l'INSEE la caractérise bien comme une commune de densité intermédiaire, ce que vous regrettez car ce classement ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article du Code général. La grille de densité de l'INSEE permet d'apprécier la ruralité d'une commune sur la base d'un référentiel objectif et précis qui n'est pas limité à la densité moyenne de population de la commune. La répartition de la population au sein de la commune est prise en compte, de sorte qu'une commune qui présente un centre urbain important n'est pas comptabilisée comme peu ou très peu dense. En effet, les communes de densité intermédiaire présentent des concentrations de population supérieures, ne peuvent donc pas être considérées comme des communes rurales. Il faut nommer les choses, ce sont des communes urbaines. S'agissant de Douai-en-Anjou, sa classification par l'INSEE comme commune de densité intermédiaire et donc urbaine se fonde sur le fait que 59% de sa population vit dans une zone urbaine intermédiaire. L'ancienne classification l'aurait par ailleurs également considérée comme urbaine, puisqu'elle constitue à elle seule une unité urbaine au sens de l'INSEE. Certes, à partir de 2023, Douai-en-Anjou ne sera plus concerné par le pacte de stabilité, ne percevra donc plus de DSR. Il s'agit cependant d'une évolution connue. Il est normal que les dispositions protectrices des attributions des communes nouvelles conservent un caractère proportionné et transitoire. Je rappelle que les communes nouvelles bénéficient aujourd'hui d'une dotation générale de fonctionnement moyenne de 220 euros par habitant, supérieure de 33% à la moyenne nationale de 165 euros. Au-delà d'un certain délai, il paraît équitable que les communes nouvelles soient traitées comme les autres communes, le coût de ces mesures étant assuré au sein de l'enveloppe globale de dotation générale de fonctionnement, dont le montant est fixe. Toute hausse de dotation générale de fonctionnement accordée aux communes nouvelles se traduit par une baisse supportée par les autres communes. Il ne paraît donc pas opportun de revenir au profit des communes de densité intermédiaire, mais au détriment des communes rurales les plus fragiles, sur les grands équilibres d'un régime récent, favorable aux communes nouvelles et qui a fait l'objet d'une large concertation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Comme je l'ai précisé, c'est son exemplarité qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cette catégorie de densité intermédiaire. Finalement, on reproche à une commune qui a créé du logement social, qui a rempli toutes les dents au sein de la commune historique de Douai-la-Fontaine pour éviter l'étalement urbain, et in fine, ça a créé un changement de densité. Donc finalement, quand les bons élèves se retrouvent au banc des accusés, il y a un vrai sentiment d'injustice. Et je vous invite à venir dans ma circonscription, Monsieur le ministre, et venir à la rencontre des élus de Douai-en-Anjou en particulier et des élus des communes nouvelles en général, parce qu'il y a eu un rapport à charge contre les communes nouvelles en 2022 qui a été très mal vécu sur le terrain. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Question de Monsieur Nicolas Dupont-Aignan à Madame la ministre de la Transition énergétique. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Je veux vous interpeller aujourd'hui sur la fixation du prix national, du prix de l'électricité plus exactement, qui est sans doute l'un des plus grands scandales d'État dans notre pays. La France, vous le savez, produit l'électricité, sans doute un des pays qui produit l'électricité la moins chère d'Europe. Et pourtant, la preuve d'ailleurs, c'est qu'EDF est obligé de vendre à ses concurrents une partie importante de sa production à 46 euros le mégawattheure. Et pourtant, nous appliquons un prix européen de l'électricité qui est indexé sur le prix du gaz, ce qui conduit à une déconnexion avec les coûts de production qui pénalise nos entreprises, nos artisans, notamment les boulangers, et qui, de surcroît, alimente une spéculation absolument inadmissible. Ces faits sont
aisément constatable sur le site comparatif de l'électricité de l'Union européenne. Quand j'ai voulu poser ma question, le 14 décembre, on avait un prix de l'électricité en France de 450 euros le mégawatt, et c'est pourquoi d'ailleurs les opérateurs augmentaient considérablement auprès de nos boulangers, de nos artisans. Et en Espagne, au Portugal, qui sont revenus à un prix national, ils étaient à 83 euros le mégawatt-heure. J'ai regardé ce matin sur le site, nous avons encore le prix de l'électricité le plus élevé de l'Europe, par rapport aussi au Portugal et à l'Espagne, qui eux ont repris leur liberté. Ils sont membres de l'Union européenne, ils ont repris leur liberté, ils appliquent un prix national fondé sur leur coût de production, et ainsi ils évitent vos usines à gaz de subventions, de boucliers, puisque bien sûr ils ont une électricité beaucoup moins chère. Alors, le vrai choix, il est très simple. C'est de revenir à ce prix national de l'électricité. D'ailleurs, votre gouvernement passe sa vie à dire qu'il est à Bruxelles pour essayer de changer les choses, mais il ne change rien du tout. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi ? Pourquoi vous refusez d'imiter deux pays qui ont préféré défendre leurs entreprises, leurs artisans, plutôt que d'obéir à une bureaucratie et à des intérêts étrangers, qui sont principalement d'ailleurs les intérêts allemands, puisque c'est l'Allemagne qui a toujours voulu éviter à la France de bénéficier de son industrie nucléaire et de ses prix modiques. Encore une fois, vous dites avoir changé les choses en plafonnant pour nos artisans avec ce nouveau plafond de 280 euros, mais je rencontrais dans ma circonscription des boulangers ce week-end, passer de 50 euros le mégawatt à 280, ça reste insupportable pour eux et ça les conduit à fermer tout simplement. Donc vous n'avez pas résolu le problème pour les entreprises, vous n'avez pas résolu le problème pour les artisans, vous avez mis en place, je le reconnais, le bouclier tarifaire pour les ménages, mais vous subissez votre aveuglement idéologique et votre soumission à une Union européenne qui est contraire à nos intérêts profonds. Donc ma question est très simple, quand allez-vous enfin revenir au prix national de l'électricité et sauver nos entreprises? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan, une fois de plus, avec tout le respect que je vous dois, comme élu de la nation, vous racontez absolument n'importe quoi. Vous parlez d'un prix de vente privilégié par EDF à ses concurrents. La réalité, c'est que l'AREN, puisque c'est ce à quoi vous faites référence, elle n'est pas acquise à 46 euros, comme vous le dites, mais à 42, et elle bénéficie évidemment avant tout aux consommateurs, qu'ils soient ménages ou entreprises, ce qui fait que, contrairement, là encore, à ce que vous dites, l'Europe, la plupart des pays européens ont un prix de l'énergie qui est bien au-dessus de celui que nos ménages et nos entreprises payent en France. Une fois de plus, vous racontez que l'Espagne et le Portugal sont sortis du marché européen de l'énergie. C'est faux. Le prix de l'énergie y est certes faible, il est d'ailleurs dans des proportions assez similaires à celles que payent nos concitoyens, mais cette baisse du prix de l'énergie dont bénéficient les consommateurs espagnols et portugais, elle est compensée par une taxe payée par les contribuables espagnols et portugais, qui font qu'au total, évidemment, la douleur est partagée de la même manière par les contribuables espagnols et portugais. Puis enfin, vous reconnaissez que nous avons fait quelque chose sur le bouclier tarifaire qui protège de manière forte nos boulangers, nos artisans et au fond toutes les très petites entreprises de France. Vous omettez de préciser qu'au-delà de ce bouclier tarifaire, ces boulangers, comme toutes les entreprises de France, quand elles sont éligibles, sont aussi éligibles à ce qu'on appelle le bouclier énergétique et le guichet d'aide pour les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Bref, nous avons mis en place un arsenal qui fait qu'aujourd'hui, les ménages, ça vous l'avez reconnu, mais aussi les entreprises sont parmi les plus protégées d'Europe. Et tout ça se traduit par des faits, puisque j'aime à vous rappeler régulièrement dans nos débats que quand même les faits, ça a de l'importance. La croissance en France est restée extrêmement forte en 2022, 2,6%. Ça fait partie des seuls pays occidentaux pour lesquels on attend une croissance positive, je vous le rappelle, qu'un certain nombre de nos partenaires européens sont en récession. Est-il besoin de rappeler que l'inflation en France aujourd'hui est la plus faible d'Europe? Tout ça, nous le devons aux politiques menées par le gouvernement que vous n'avez pas voté, mais que cette majorité, elle, a voté. Merci. Merci, monsieur le ministre, monsieur Dupont-Aignan. Vous ne manquez pas de culot à travestir les faits et à accuser l'autre de mentir. 42 euros les opérateurs privés, et ils facturent les artisans à 450.
Comment pouvez-vous dire ça ? Vous n'avez pas mis en place de bouclier pour les entreprises et les PME et les artisans, vous le savez très bien. Et ce sont des milliers de boulangers qui sont en train de faire faillite. Enfin, vous ne voulez pas sortir du prix européen de l'électricité qui permettrait de traiter la cause et d'être fondé sur nos coûts de production avec un prix d'électricité nettement inférieur. Donc vous mentez Merci sur toute la conclure. Ligne. Merci, monsieur le député. Question de madame Géraldine Grangy à monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. La parole est à madame Géraldine Grangier. Merci, madame la présidente. Bonjour, monsieur le ministre. Merci pour votre présence. Je me permets d'attirer votre attention sur un fait qui m'a été rapporté par nombre d'agriculteurs du Doubs, Nord-Franche-Comté, frontaliers avec la Suisse. Lorsqu'un agriculteur français souhaite louer des terres agricoles ou une exploitation sur le territoire français, il doit remplir un dossier d'autorisation d'exploiter à la DDT où il renseigne la surface agricole de son exploitation et des terres déjà exploitées dans le cadre de son activité. C'est la CDOA, Commission départementale d'orientation agricole, composée de la DDT, de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA et des banques, qui est chargée d'étudier les dossiers et d'attribuer les terres ou exploitations proposées à la location. En frontière suisse, les agriculteurs français se trouvent directement en concurrence avec les agriculteurs suisses qui postulent eux aussi pour exploiter les terres agricoles françaises. Or, il s'avère que les exploitants suisses obtiennent régulièrement les marchés locatifs, car contrairement aux agriculteurs français, ils n'ont pas à démontrer administrativement leur surface agricole exploitée en Suisse. Les terres agricoles étant prioritairement attribuées aux exploitants ayant le moins de surface, nos agriculteurs français se trouvent à chaque fois pénalisés. Actuellement, sur notre territoire Nord-Franche-Comté, ce sont déjà des milliers d'hectares de terres agricoles françaises qui sont exploitées par des Suisses. Cela représente une réelle perte pour la France, qui voit ses terres agricoles exploitées et rachetées par des agriculteurs suisses. Mais c'est aussi une perte de richesse et d'emploi pour nos agriculteurs français, qui voient leur filière AOP ainsi fragilisée. Chez moi, l'AOP, c'est bien entendu la filière Comté-Morbier. Afin donc de garantir notre souveraineté alimentaire, monsieur le ministre, et face à l'impossibilité de nos agriculteurs frontaliers à acquérir de nouvelles terres ou à créer de nouvelles exploitations, il me semble urgent de prioriser les agriculteurs français dans les demandes d'autorisation d'exploiter et de rendre obligatoire pour les agriculteurs suisses de fournir un justificatif de l'ensemble de leurs surfaces agricoles exploitées en Suisse et en France. Il est à noter que malheureusement, ce problème est récurrent sur l'ensemble du territoire français en zone frontalière. C'est malheureusement le cas aussi pour la frontière belge. Monsieur le ministre, face à cette situation injuste, que comptez-vous faire pour prioriser l'agriculture française ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci, madame la présidente, madame la présidente, madame la députée. Merci de cette question qui soulève au fond deux sujets, deux problèmes qui sont, me semble-t-il, de nature un peu différente. Le fait que des agriculteurs suisses ou belges, quand il s'agit du nord de la France, parce que vous avez raison, c'est un sujet de frontalité, viennent exploiter en France, c'est pas ça qui vient remettre en cause la souveraineté, parce que, au fond, y compris ceux dont vous parlez en Suisse, ils viennent alimenter la filière Comté. Donc c'est pas ça tout à fait que ça vient remettre en cause. Le risque que vous levez en revanche, et je le partage, c'est le risque d'accaparement des terres, qui permettrait à un moment, dans un certain nombre de territoires, d'éviter que l'intérêt national en termes de souveraineté ne soit soulevé. Donc ça, ça peut être un risque. Mais ce n'est pas un risque de souveraineté en tant que tel, puisque c'est des productions qui se déroulent sur le sol français et qui sont dédiées aux industries agroalimentaires françaises. En tout cas, en partie pour un certain nombre d'entre elles. Mais en revanche, vous avez raison, on a un sujet... parce que comme vous l'avez évoqué, donc je ne reviens pas dessus, les CDOA ne permettent pas de tenir compte des... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'extraterritorialité...
des CDOA ne permettent pas de tenir compte des surfaces qui sont exploitées à l'extérieur des frontières nationales et donc ne rentrent pas dans les critères. Reconnaissons, vous le savez d'ailleurs, j'imagine que les CDOA ne sont pas que sur ces critères parce que le critère est aussi l'âge de l'exploitant. Si on est sur un jeune, on favorise les choses. Le siège, la distance au siège de l'exploitation, parce que c'est aussi des éléments qui rentrent en compte dans le choix qui est fait par les CDOA d'autoriser les agrandissements ou non. Deuxième élément sur des choses particulières, il me semble que si les circonstances locales, je peux vous dire que si les circonstances locales le justifient, des solutions peuvent être toutefois trouvées dans le cadre de la coopération transfrontalière. C'est d'ailleurs dans le cas avec la Suisse, puisqu'il y a une commission qui a permis de mettre en place un protocole de suivi des exploitants suisses en France et qui permet en effet de collaborer pour regarder quels peuvent être les écueils que vous levez en particulier. Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur une loi qui a été assez récemment votée, qui est la loi dite loi sans passe-tous, et qui permet de faire en sorte que des parts sociales d'actionnons qui seraient prises par des propriétaires qui seraient à l'extérieur de nos frontières puissent être régulés au travers de cette loi sans passe-tous. Je rappelle en outre que le gouvernement reste très attentif à la question du foncier, en particulier à la transparence du marché, au contrôle du risque d'accaparement. Et là, pour le coup, c'est le décret du 31 décembre 2019 qui a été pris en application de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises qui étend le contrôle des investissements étrangers à la sécurité alimentaire, et c'est bien votre élément. Enfin, j'en conclurai, Madame la députée, par le fait que, comme vous le savez, nous aurons à débattre, d'abord à nous concerter, à travailler ensemble à la concertation sur le futur projet, le texte, le pacte d'orientation et d'avenir pour l'agriculture. Il me semble que cette question d'action au foncier est une question fondamentale, pas seulement dans le domaine que vous évoquez, mais globalement pour permettre à des exploitants français et des exploitants tout court de pouvoir accéder à la terre. Et c'est un élément évidemment essentiel, et ça je crois que nous partageons, de la souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le Ministre. Question de Madame Servane Hugues à Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, chargée des personnes handicapées. La parole est à Madame Servane Hugues. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les métiers du secteur médico-social et leur perte d'attractivité qui n'est malheureusement plus à rappeler. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les foyers d'accueil médicalisés, FAM, mais également les maisons d'accueil spécialisées, MATS, sont confrontés à des pénuries de personnel, postes vacants, mais aussi absentéisme. Cette situation ne peut plus durer. Des établissements sont contraints de fermer des unités à cause d'un manque de main-d'œuvre. Que faire pour soutenir les parents aidants, souvent vieillissants, qui doivent alors s'occuper de leurs enfants devenus adultes ? C'est la réalité de familles qui craignent un retour au foyer de leurs enfants sans aucune aide. Oui, ces enfants, déjà fragiles, se retrouvent sans prise en charge ou sont victimes de maltraitance par un personnel trop peu nombreux qui ne peut plus assumer correctement dans des conditions de travail catastrophiques. Pourquoi de telles pénuries dans ce secteur ? Ce n'est pas nouveau, ce sont des métiers mal rémunérés, souvent à temps partiel, avec des horaires de travail décalés. Mais à cela, il faut ajouter l'augmentation croissante de tâches administratives par ces professionnels au détriment de leurs fonctions de soins. Quel sens pour ces métiers ? Ce sont pourtant des professions où l'humain est au cœur de l'engagement du personnel, sans reconnaissance, ni en termes de salaire, ni en termes de compétences, nous allons assurément vers une perte totale d'attrait des professions d'accompagnement. Il y a donc urgence. Par ailleurs, financés en grande partie par des fonds publics, ces établissements ont recours à des fonds privés. Ils cherchent tant bien que mal à pallier les déficits énormes, parfois dus à l'absence d'aide à l'investissement du Ségur, sans oublier les divergences de financement selon les départements. Dans ces conditions, comment envisagez-vous le renforcement de l'attractivité de ces métiers ? Ces établissements se tournent vers des financements privés, comme je l'ai évoqué, et s'interroge ainsi sur le futur du modèle de financement public. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la présidente, Madame la députée Servane Hugues. Bon, vous parlez de l'enjeu de l'attractivité des métiers du soin, d'une part, et des métiers du prendre soin, d'autre part. Et nous savons que c'est un enjeu essentiel, et vous savez que c'est un enjeu essentiel et une de nos politiques prioritaires parce que nous avons beaucoup de difficultés de recrutement et de fidélisation dans ces métiers actuellement et qui s'est aggravée depuis la crise du Covid, la crise sanitaire que nous avons traversée. Et bien sûr, c'est une thématique du Conseil national de la refondation et de la prochaine conférence nationale du handicap.
L'État, aux côtés des départements, a déjà réalisé des efforts sans précédent avec des revalorisations salariales de 4 milliards d'euros. Nous devons aller plus loin, notamment en direction des salariés avec les rémunérations les plus faibles. Et il y a beaucoup de salariés avec des rémunérations faibles dans ce secteur. Et c'est pourquoi nous œuvrons activement à la construction d'une convention collective unique étendue, qui n'existe pas aujourd'hui et qui doit être une réponse à ce manque d'attractivité. Bien sûr, il n'y a pas qu'une question financière. Il y a aussi la vraie question des parcours professionnels et des possibilités de pouvoir évoluer dans toutes ces structures. Alors avec la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, les conseils départementaux, l'ARS, le service public de l'emploi, nous définissons des plans d'action territoire par territoire. Et c'est ainsi, par exemple, qu'une plateforme des métiers de l'autonomie a pu être financée, voire le jour à Lyon, et d'autres plateformes de ce type pourront être envisagées sur d'autres territoires. Avec Jean-Christophe Combes, Olivier Dussopt et Carole Grandjean, nous travaillons main dans la main pour transformer profondément ces parcours professionnels et ces voies d'accès aux métiers sociaux et médico-sociaux. L'apprentissage, par exemple, fait ses preuves là où il est utilisé et nous devons faire en sorte de le développer davantage. Certains territoires, et vous le savez bien, présentent des défis inédits et c'est le cas de votre région. Particulièrement, là aussi, les actions sont en cours dans le cadre d'un dialogue constructif avec nos voisins suisses en particulier, parce que vous êtes dans une région où il y a une vraie concurrence sur l'emploi dans ces métiers, pour renforcer donc notre coopération sanitaire et médico-sociale. Donc notre seul objectif, et je sais que vous le partagez, c'est d'attirer les talents dans ce secteur qui le mérite vraiment, parce que c'est vraiment un secteur qui a du sens et tout le monde cherche beaucoup de sens actuellement. Merci, Madame la Ministre. Question de Madame Sarah Legrain à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Sarah Legrain. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'ai saisi par courrier Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention le 18 novembre dernier à propos des scènes de consommation de crack à ciel ouvert dans le nord-est parisien et tout particulièrement dans ma circonscription qui couvre une grande partie du 19e arrondissement dont la porte d'Aubervilliers, la porte de la Villette et la porte de Pantin. Sauf erreur de ma part, ce courrier au ministre est resté sans réponse. Alors je voulais lui refaire la question un peu solennellement aujourd'hui et lui demander quelle était sa stratégie face à la crise du crack. Et j'espère que vous pourrez, Madame la ministre déléguée, répondre à sa place à ce sujet. Car depuis sa nomination, c'est silence radio de sa part sur ce sujet. Alors un petit point sur la situation à toutes fins utiles. Le 5 octobre dernier, grâce à la mobilisation des riverains, le campement de Forceval a été démantelé après un an de pourrissement intenable de la situation, situation qui ne devait durer que quelques heures, selon M. Darmanin lui-même. Sur plus de 500 personnes évacuées, la préfecture a annoncé en avoir hébergé 71, avec possibilité d'un accompagnement médico-social et administratif. Mais les usagers de drogue continuent d'errer dans le nord-est parisien. Nous assistons partout à des micro-scènes de consommation à ciel ouvert et cette situation est synonyme à la fois d'une souffrance indicible pour les consommateurs de crack, mais aussi pour les riverains dont le quotidien vire, je vous en assure, au cauchemar. Cette évacuation aura donc ressemblé à toutes les précédentes. Une dispersion manu militari, sans lien avec les acteurs locaux, les élus et les associations de terrain. Et surtout sans le moindre espoir de faire cesser l'errance des usagers de drogue, faute d'un dispositif sanitaire et social adapté. Le préfet de police de Paris, que j'ai rencontré en octobre, semble aussi convaincu que les moyens sécuritaires ne suffisent pas et qu'une stratégie de déploiement de moyens médico-sociaux est indispensable si on veut mettre un terme à des décennies de crise du crack. Mais il n'a pu me renvoyer qu'à la question de futurs arbitrages gouvernementaux dont j'ignore tout à ce jour. Tout comme les associations et les riverains, je déplore un manque de transparence sur le contenu de ce futur plan crack annoncé. Il se trouve que comme députée, je regrette de ne pas être associée aux discussions sur le sujet. J'entends parler d'arbitrage à trancher. Est-ce trop demandé que de vouloir connaître la position du ministre de la Santé et de la Prévention à ce sujet? Faut-il déduire de son silence et de l'omniprésence du ministre de l'Intérieur que ce sujet de santé publique ne suscitera jamais qu'une approche répressive et sécuritaire que l'on sait vouée à l'échec? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Madame la députée Sarah Legrain, le ministre François Braun
regrette de ne pouvoir être présent ce matin et m'a prié de vous répondre, et je vais essayer de le faire pour lui. Donc la crise liée à la présence des consommateurs de crack dans le nord-est parisien et les communes environnantes est un sujet de préoccupation constant du gouvernement pour la tranquillité publique des riverains, mais surtout pour la santé également, et vous en avez parlé. Face à ce phénomène qui recoupe de nombreuses problématiques, le gouvernement travaille depuis plusieurs années à la mise en place de solutions concrètes et adaptées. Ces dernières années ont été marquées par une mobilisation forte et un travail collectif entre tous les acteurs concernés. Amplification des interventions auprès des usagers, mise à l'abri des personnes avec un accompagnement médico-social renforcé, amélioration de l'accès aux soins psychiatriques grâce à des équipes mobiles dédiées. Ce plan, même s'il n'a pas mis fin aux errances des usagers ni aux situations de tension, était une première étape. L'investissement du gouvernement s'est aussi manifesté par l'évacuation du site de Forceval, en effet, par les forces de l'ordre. Mais dans ce contexte, le ministère de la Santé et l'ARS Île-de-France se sont mobilisés pour renforcer le dispositif ASSOR, qui a bénéficié de financements supplémentaires et accueille désormais 600 personnes, pour offrir des solutions de prise en charge à l'addictologie, y compris dans d'autres régions, permettant à des consommateurs volontaires un éloignement et une rupture avec leur lieu de consommation. Face à un sujet si complexe, concernant une population très vulnérable et précaire, les solutions proposées doivent être multiples, souples et évolutives. Le plan CRAC s'est concrétisé par la mise en place d'un continuum de prise en charge médico-sociale avec différents dispositifs adaptés à la diversité des profils, de la maraude sociale à l'hébergement médicalisé, en passant par les espaces de repos et l'hébergement accompagné. Ce travail ne peut se faire que grâce à l'étroite collaboration entre les ministères concernés, les services de l'État sur le terrain, préfecture de police et préfecture de région, ARS, mais aussi avec la MILDECA et avec les collectivités territoriales. Et enfin, il doit se faire en lien avec les professionnels de l'accompagnement et de santé, et bien entendu en pleine communication avec les riverains qui, eux, subissent les effets néfastes de cette situation tous les jours. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Je crois malheureusement que, tant pour les riverains que pour les personnes engagées dans les associations, mais aussi les acteurs médico-sociaux, cette réponse n'apporte pas le cœur du sujet, n'apporte pas la réponse à la question que tout le monde se pose. Y aura-t-il la mise en place d'HSA ? Combien ? Répartis comment sur le territoire ? Avec quelle concertation avec la population ? Quel lien avec les possibilités d'hébergement ? C'est tout cela que se posent les gens. Et j'entends parler de solutions multiples, souples et évolutives. Je crois qu'il nous faut du concret. Et encore une fois, je réitère le fait que, comme députée, je trouverai légitime de pouvoir être associée au plus près du terrain aux solutions qui seront proposées et mises en œuvre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Question de Monsieur Bertrand Pancher à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur le président, Bertrand Pancher. Madame la ministre, vous connaissez bien le département de la Meuse. Je suis certain que vous allez relayer ma question au ministre de la Santé et veiller à faire en sorte qu'on trouve une solution à la question des transports sanitaires, qui se dégrade dans les départements ruraux et notamment le mien. Je suis allé visiter la quasi-totalité des casernes de sapeurs-pompiers dans mon département ces deux dernières années. Je suis en relation avec les ambulanciers. Les ambulanciers sont de moins en moins bien financés, notamment en milieu rural, ce qui fait qu'ils n'assurent plus le transport des malades, notamment la nuit. Ça retombe sur les pompiers. Les pompiers ne sont pas formés pour ça. Ils sont encombrés. C'est de plus en plus difficile. Ils ont du mal d'ailleurs eux-mêmes à recruter des volontaires. Et la catastrophe est devant nous. Bon. Pour la raison suivante. Quand on est, par exemple, ambulancier à Commercy, on va chercher un patient à Seuil-d'Argonne, que vous connaissez bien, plein au milieu de la Meuse, pour l'amener à Verdun. Quand on va de Commercy à Seuil-d'Argonne, on n'est pas payé. On est uniquement payé pour le déplacement de l'endroit où on va chercher le patient jusqu'à l'hôpital et on n'est pas payé une partie du retour. Il faut augmenter les rémunérations des ambulanciers directement. Ce n'est pas fait. J'en ai parlé.
parlé à l'ARS départementale, qui a fait remonter ça à l'ARS nationale, régionale, qui a fait remonter ça au ministre de la Santé, qui m'a dit il y a encore quelques jours, j'ai trouvé la solution, j'ai fait tout redescendre à l'ARS. Et l'ARS me dit, il n'y a toujours pas de solution. Trouvons un financement, c'est particulièrement important. Je voulais vous alerter sur ce sujet parce qu'un jour, il va y avoir un pépin, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président Pancher. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Bernard Plancher, oui, je connais bien la Meuse, j'étais avec vous hier dans votre beau département. Et je connais les difficultés des départements ruraux en particulier et des transports sanitaires dans ces départements. Alors, le ministre François Braun m'a demandé de vous apporter les éléments de réponse suivants. Bien sûr qu'il faut améliorer, et nous avons déjà amélioré la réponse des transports sanitaires privés aux demandes du SAMU afin de mieux mobiliser les ambulanciers avec une réforme des gardes ambulancières qui a été mise en place en avril 22. Cette réforme, elle a déjà permis des avancées en termes de rémunération. Comme vous le mentionnez, elle introduit un nouveau modèle de rémunération qui valorise les transports urgents préhospitaliers sur la base d'un forfait de 150 € par trajet pour les 20 premiers kilomètres parcourus et d'un tarif kilométrique de 2,32 € à partir du 21e kilomètre. L'indemnité de garde de 346 € est remplacée par la notion de revenu minimal garanti. Ce revenu minimal garanti incite les transporteurs à effectuer des gardes, notamment dans les secteurs ruraux où il y a peu d'interventions. Dans le cas où le transporteur ne réalise pas suffisamment de transport pour couvrir ses charges, ce qui est souvent le cas, un complément est versé. Les interventions non suivies de transport sont également prises en charge à hauteur de 80 €. Tout cela voulait rendre attractifs les gardes et faire en sorte que les gardes soient prises par les ambulanciers. Cette réforme a par ailleurs procédé à un nouveau découpage des secteurs de garde réalisé localement en concertation avec les acteurs du transport sanitaire du territoire pour qu'ils assurent une meilleure réponse aux demandes de SAMU. Depuis juillet 22, 3 secteurs de la Meuse sont couverts par une garde ambulancière en journée et en nuit. Pour les secteurs dont le niveau d'activité constaté n'a pas engendré de positionnement de moyenne de garde, et il y en a parce que votre département est vaste, la réponse aux demandes de transport sanitaire urgent peut être réalisée par des transporteurs sanitaires volontaires ou par les SDIS. Et conscient de la mobilisation que cela implique, une indemnité de substitution pour les SDIS a été mise en œuvre dans le cadre de la réforme. Donc, le secteur des transports sanitaires urgents est soutenu par le gouvernement avec près de 400 millions d'euros d'aide depuis 2019, dont 128 millions en 2022. Et enfin, l'assurance maladie va engager dans les prochaines semaines de nouvelles négociations conventionnelles avec l'ensemble des syndicats représentatifs du secteur qui seront l'occasion de dresser un premier bilan financier et organisationnel des réformes mises en place et de voir s'il nous faut continuer à évoluer pour toujours améliorer le système. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président Pancher. Oui, Madame la Ministre, je ne doute pas des efforts qui ont déjà été réalisés dans ce domaine. Moi, je vous dis que je suis allé à nouveau revoir les transporteurs ambulanciers. Les transporteurs ambulanciers me disent que les mesures prises ne sont pas suffisantes et ne vont pas leur permettre, en tout cas, de réembaucher du personnel et se développer. Et donc, on sera toujours face à des grands secteurs de carence. Alors évidemment, je note avec beaucoup d'intérêt que les pompiers seront évidemment indemnisés, sauf que les pompiers ne sont pas formés pour ça, ça ne va pas régler. Enfin, bon, le retour, c'est que ça peut poser réellement des problèmes, et notamment pour discuter avec des pompiers qui sont épuisés, parce que quand même savoir que dans certaines casernes, on n'a plus que des effectifs de 18, 20, 22 volontaires, c'est toujours les mêmes qui sortent, notamment la nuit, ça pose réellement des grandes difficultés. Il faut augmenter la prise en charge, notamment en milieu rural. Merci, Monsieur le Président. Question de M. Frédéric Valtou à M. le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. La parole est à M. Frédéric Valtou. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre.
pourriez-vous vous faire effectivement mon porte-parole auprès du ministre des Solidarités concernant la situation des assistantes maternelles qui soulèvent et soulignent le manque de reconnaissance pour leur travail pourtant indispensable. Les assistantes maternelles sont, on le sait, le mode de garde préféré des parents. Malgré les incitations des gouvernements précédents de développer les structures de garde collective, seulement le quart des familles a recouru à ce type de garde en 2021, selon le dernier baromètre de l'accueil du jeune enfant publié par la Caisse nationale des allocations familiales, soulignant donc effectivement que les assistantes maternelles restent le mode de garde préféré des Français, des parents, comme je le disais. Pourtant, le nombre de professionnels qui quittent le métier bat des records ces dernières années. On relève en effet une diminution de plus de 50 000 professionnels en activité ces 6 dernières années. Entre pénurie toujours plus croissante de la profession et vieillissement continu de la population des assistantes maternelles, le constat est donc implacable. Le secteur des professionnels de la petite enfance est en forte tension. À titre d'exemple, dans ma circonscription, dans le pays de Nemours, elles ne sont plus que 186, là où elles étaient plus de 237 en 2019, avant les années de pandémie, durant lesquelles, pourtant, elles ont été mises en première ligne en gardant parfois jusqu'à 8 enfants. Les conséquences sont alors dramatiques pour les parents de ces territoires et notamment pour les mères qui, pour beaucoup d'entre elles, se retrouvent contraintes de garder leur enfant et de renoncer ainsi pendant un temps à leur activité professionnelle. Bien que le PLFSS pour 2023 marque la première étape du service public de la petite enfance avec la réforme du complément de garde, l'image de la profession d'assistante maternelle auprès du grand public et de la jeunesse est toujours aussi rétrograde et attachée à la conception de nounou ou de gardienne d'enfants. Aussi, je souhaiterais savoir si le gouvernement prévoit la création d'un plan d'action ASMAT afin de valoriser l'importance sociétale de la profession et de la mettre en avant auprès de notre jeunesse comme un véritable choix de carrière. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Frédéric Valletoux, merci pour votre question concernant ces professionnels de la petite enfance et particulièrement ces assistants maternels que je veux saluer parce que voilà, ils permettent aux parents de pouvoir travailler en toute sérénité. Et c'est vrai que nous assistons à une pénurie de ces professionnels progressive, peut-être liée à des enjeux d'attractivité, mais peut-être pas seulement. Il faudra qu'on s'interroge de façon plus large. En tout cas, la question de la petite enfance est centrale, bien sûr, dans la feuille de route du ministre Jean-Christophe Combes, en charge donc des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Et il est notamment en charge de ce chantier phare qui est la construction d'un service public de la petite enfance, avec l'amélioration de l'attractivité de la profession d'assistant maternel, bien entendu, également en ligne de mire dans ce service public. Des premières mesures fortes ont été prises dans ce sens. Dès juillet, le ministre Combes avait débloqué 2,5 millions pour créer un observatoire de la qualité de vie au travail et pour organiser une campagne de valorisation et de promotion des métiers de la petite enfance. Et vous avez cité à raison la réforme du complément de mode de garde qui, en permettant une meilleure solvabilisation de l'accueil par un assistant maternel et en le rendant aussi accessible que la crèche, contribuera à accroître l'attractivité du métier. Pour aller plus loin, le ministre Combes a annoncé le 21 novembre le lancement d'une grande concertation organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation qui associe l'ensemble des parties prenantes. Le premier trimestre 2023 verra cette concertation se déployer dans les territoires ainsi que toute la diversité des situations que toute la diversité des situations soit intégrée à l'élaboration de ce service public, parce que les sujets ne sont pas forcément les mêmes en zone rurale qu'en zone très urbaine. Et la première étape des 15 étapes que comptera cette concertation s'est tenue la semaine dernière à Versailles. Les professionnels seront au cœur des discussions, bien sûr. Et c'est déjà le cas dans le cadre du travail conséquent en cours au niveau du comité de filière petite enfance, tout entier dédié à la question de l'amélioration de l'attractivité des métiers. Et les discussions sont nombreuses sur la qualité de vie au travail, les parcours professionnels et les formations ou encore les salaires. Et ce comité de filière a décidé de dédier ses travaux du premier trimestre 23 aux professionnels de l'accueil individuel, c'est-à-dire aux assistants maternels et aux gardes à domicile, et fera connaître à leur issue les propositions de mesures qui leur sembleront les plus appropriées. Donc nous avons un enjeu majeur qui est de mettre
de répondre aux besoins. Le besoin, c'est 200 000 places. Aujourd'hui, il est estimé à 200 000 places. Et je crois que le travail du gouvernement, avec bien entendu les parlementaires, permettra, je l'espère, dans les prochaines années, de développer diverses solutions et notamment de développer la profession d'assistant maternel. Mais nous nous y employons. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. En un mot, merci beaucoup, Madame la Ministre. Je voudrais juste insister sur la nécessité aussi de donner une nouvelle image de ces métiers et de redorer un peu l'image auprès des jeunes générations pour encourager les jeunes à s'engager dans ces filières. On le sait pour tous les métiers de l'assistance, pour tous les métiers d'aide à la personne, on le sait dans le secteur médico-social que vous connaissez bien. Ces métiers-là ont besoin aussi de campagnes de communication pour montrer ce qu'est le quotidien de ces métiers, ce qu'est aussi les parcours que l'on peut faire dans ces métiers d'aide à la personne. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Olivier Falorni à madame la ministre de la Culture. La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci beaucoup, madame la présidente. Madame la ministre, il y a à La Rochelle un ouvrage remarquable présentant un caractère patrimonial certain qui tombe aujourd'hui en ruine. Il s'agit du pont de Tadon, pour lequel je vous avais déjà saisi l'été dernier. Ce pont, plus que centenaire, construit en 1912 par les frères Boyer, ouvrage emblématique de notre cité maritime, relie deux quartiers rochelais en enjambant les rails de la gare SNCF qui se trouve à proximité. Ce pont se délite de jour en jour du fait d'un imbroglio juridico-administratif par lequel la SNCF et la mairie de La Rochelle se rejettent la charge de son entretien, allant même jusqu'au Conseil d'État. Mais pour l'heure, ce sont les usagers du pont qui peuvent voir chaque jour, hélas, les affres du temps et les blocs de béton se détacher de l'infrastructure. Je prends le train toutes les semaines. Et quand je me gare en dessous de ce pont, je vois quoi ? Des filets tendus partout le long et en dessous pour empêcher que des morceaux ne tombent sur les gens. Alors même qu'aucun travaux ne sont entrepris, il est en plus envisagé de faire passer sous ce pont une nouvelle voie de circulation. Alors que le dossier est enlisé, faute de réelle volonté de trouver une solution, et que le temps passe, suscitant l'irritation légitime des Rochelais et des comités de quartier mobilisés sur le sujet, vous pourrez, Madame la Ministre, en entreprenant la démarche d'inscription au titre des monuments historiques, de participer à la sauvegarde de cet élément emblématique de notre ville. Par cette démarche, l'État pourrait mettre ainsi le propriétaire défaillant en demeure de réaliser les travaux devenus indispensables pour assurer la conservation du pont. Nous ne sommes pas encore dans une situation où le péril serait tel qu'il en deviendrait dangereux et menacerait le pont de s'écrouler. Mais il y a des exemples forts, comme le pont de Gênes, qui ont montré qu'il fallait être extrêmement vigilant sur ce type d'ouvrage. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Ce pont est dans un état de vétusté préoccupant. Il se dégrade à vue d'œil. Alors, Madame la Ministre, comme beaucoup de Rochelais, je ne me résous pas à voir disparaître le pont de Tadon. C'est pourquoi je compte sur vous, comme j'ai pu compter sur votre prédécesseur, afin que ce dossier connaisse la même fin heureuse que celui de l'inscription de la salle historique du cinéma L'Olympia, pour lequel j'avais entrepris des démarches similaires. Il en va, Madame la Ministre, de notre patrimoine, mais aussi de notre sécurité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Olivier Falorni. Alors, c'est la ministre de la Culture. Je vous prie de l'excuser, elle ne peut pas être présente aujourd'hui, mais elle m'a chargée de vous répondre sur ce sujet que vous soulevez, la protection au titre des monuments historiques du pont de Tadon, situé donc à proximité de la gare de La Rochelle. Et je sais que, et vous l'avez
démontré dans votre question que vous êtes particulièrement mobilisé et attaché à cet ouvrage patrimonial. Et vous avez d'ailleurs saisi Madame Bachelot, ministre de la Culture, déjà il y a quelques mois sur ce sujet. La demande de protection au titre des monuments historiques de cet édifice est bien en cours d'instruction par les services déconcentrés du ministère de la Culture, en l'occurrence la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Les équipes de la DRAC se sont rendues sur place il y a quelques semaines et ont pu rencontrer les associations qui sont mobilisées sur le terrain pour cette protection. Toute demande de protection suit une procédure bien définie, je pense que vous le savez. Et en l'espèce, la délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture a émis, lors de sa séance du 13 octobre 2022, un avis favorable à la poursuite de l'instruction du dossier de protection de ce pont en vue de la présentation à la formation plénière de cette Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. La DRAC doit désormais recueillir la position du propriétaire du pont de Tadon pour permettre d'avancer dans cette procédure de protection. Le ministère de la Culture et ses équipes suivent attentivement ce dossier, ne manqueront pas de vous tenir informés de l'avancée de cette demande de protection pour laquelle vous êtes très mobilisés. Il convient néanmoins de préciser que la mesure de protection, si elle est en cours, ne permettra pas de résoudre la question de la domanialité de l'ouvrage. Et il conviendra que le propriétaire légitime puisse élaborer un programme de restauration qui pourra être accompagné, bien sûr, scientifiquement et techniquement par les services patrimoniaux de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en cas de protection au titre des monuments historiques. Donc je pense que le dossier est en cours. Reste à définir qui est le propriétaire pour pouvoir faire en sorte que les choses soient prises en compte complètement. Merci Madame la Ministre. Question de Madame Annie Vidal à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Annie Vidal. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je me permets d'attirer votre attention sur la construction de piscines utilisant le procédé de traitement biominéral sans recourir à l'usage de produits chlorés pour filtrer l'eau des baignades artificielles. Ce procédé retenu par les communes de Belleboeuf, dans ma circonscription, de Coudekerque-Branche et la communauté de communes de Val-d'Amboise, permet une économie conséquente en ressources énergétiques et en eau. Ce sont des projets qui sont à ce stade en expérimentation. Ils sont préalablement soumis à recevabilité et conditionnés à la présentation du protocole expérimental présenté par France Expérimentation dans un cadre interministériel. Une saisine préalable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire est impérative afin de permettre la mise en place de ces expérimentations qui ont pour objet le passage de statut de baignade artificielle à celui de piscine, tout en garantissant l'absence de risque sanitaire pour les usagers. La mise en place de ces expérimentations suppose plusieurs dérogations à la réglementation. Si la fréquentation maximale instantanée, la FMI, dans la zone de baignade, est toujours fixée à la limite de 10 mètres cubes d'eau par baigneur, cette limitation n'est pas représentative de l'usage des piscines en construction prévues pour accueillir un nombre conséquent de nageurs de l'ordre de 10 fois supérieur à celui fixé initialement. Et de fait, cela met en péril la viabilité économique des projets en cours par une ouverture avec une capacité moindre. C'est pourquoi je souhaiterais connaître l'avis du gouvernement dans l'optique de pouvoir conforter ces projets qui répondent non seulement à des enjeux écologiques, mais permettent également d'appliquer les ambitions gouvernementales en termes d'apprentissage à la natation pour tous, de réduire le déficit du savoir nager enregistré sur le territoire et de favoriser l'accès à toutes les pratiques aquatiques et nautiques en toute sécurité. Merci Madame la députée, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Le ministre François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin et m'a prié de vous fournir les éléments de réponse à votre question. Les projets de construction de piscines biominérales doivent répondre à la réglementation sanitaire applicable aux baignades dites artificielles, dans la mesure où le pétitionnaire revendique l'obtention d'une eau désinfectée mais non désinfectante
lorsque la réglementation relative aux piscines à usage collectif impose une eau désinfectée et désinfectante. Par ailleurs, comme vous le mentionnez à juste titre, compte tenu de la nécessité de déroger à plusieurs dispositions réglementaires relatives à la fréquentation maximale, eu égard au caractère innovant et écologique du procédé de traitement, les porteurs de projets ont été invités à déposer un dossier de demande d'expérimentation dans le cadre du dispositif interministériel France Expérimentation. À l'heure actuelle, ce dossier est toujours en cours d'instruction par mes services. Un accord de principe pour la mise en place de ces expérimentations a été donné par le cabinet du Premier ministre fin octobre 21, sous réserve que le projet ne présente pas de risque sanitaire pour les baigneurs. Dans ce contexte, une saisine a été transmise en octobre dernier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, afin qu'il soit statué sur l'innocuité et l'efficacité du procédé de traitement biominéral. En effet, à ce jour, ce procédé n'a pas encore pu faire l'objet d'une expertise sanitaire en France dans toutes les conditions et détails d'expérimentation souhaités. L'ANSES doit se prononcer très prochainement sur la complétude du dossier déposé, ainsi que sur le calendrier pour mener à bien l'expertise demandée. La mise en expérimentation ne pourra être définitivement actée que sous réserve d'un avis favorable de l'ANSES et de la définition des modalités de mise en œuvre complète. Le ministère de la Santé ne manquera pas, bien sûr, de vous informer, ainsi que les élus locaux concernés, de l'avancement et des suites données à ce processus. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Merci pour ces réponses. C'est en effet un procédé innovant qui peut présenter un intérêt, mais dans le cadre actuel de l'expérimentation, c'est très difficile à porter, notamment dans les délais de réalisation et sur l'impact en coût que cela peut générer si les piscines devaient ouvrir avec une capacité de 10 fois inférieure à la capacité prévue, ce qui mettrait le modèle financier complètement à plat. Merci, Madame la députée. Question de Monsieur Sébastien Jumel à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de la mer. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, personne n'a oublié la sidération, et y compris pas vous, qui s'est emparée de la communauté maritime de part et d'autre de la Manche, quand la compagnie P&O a licencié en mars dernier, sans préavis et par simple message vidéo, 800 de ses marins en transmanche. Ces salariés exerçant dans des conditions de travail respectueuses de leur bien-être et de la sécurité en mer ont été remplacés au pied levé par des salariés recrutés dans des pays tiers à très faible coût de main-d'œuvre. Personne n'a oublié cet événement révélateur d'une offensive de dumping social sur le transport maritime entre la France et le Royaume-Uni sans précédent par son ampleur et sa brutalité. La compagnie Irish Ferry avait, si j'ose dire, ouvert le bal de cette guerre du low-cost en 2021, avec un pavillon chypriote sur la liaison Calais-Douvres. Ce dumping social signe une concurrence déloyale qui repose sur l'abaissement des normes sociales avec des marins qui travaillent 82 heures hebdomadaires, 17 semaines sans mettre le sac à terre et qui sont payés moitié moins que le salaire minimum britannique. Cette situation, vous le savez, Monsieur le ministre, menace nos entreprises d'armement qui, elles, rémunèrent correctement leurs marins, garantissant 13 jours de repos à terre, 13 jours en mer passés et respectent leurs droits sociaux. Je veux parler des compagnies françaises DFDS Seaways SAS, dont le siège social est à Dieppe, ou la BAI, dont le siège est à Roscoff. Tous les deux, vous le savez, emploient près de 2500 marins du détroit du Pas-de-Calais à la Bretagne, en passant par la Normandie. Leur navire immatriculé au premier registre du pavillon français qui protège les droits des marins et assure un haut niveau de savoir-faire et de sécurité sont désormais exposés à des concurrents qui ont choisi des pavillons de complaisance. Le statu quo face au dumping social serait porteur de risques majeurs pour la sécurité maritime, pour le bien-être des gens de mer, pour le secteur maritime français et notre souveraineté. Il faut remettre des règles, reprendre le cap, agir par la loi, par la diplomatie, puisque les compagnies low cost, dans leur pure logique d'actionnaire, rejettent votre offre d'accord, de charte de bonne conduite. Je sais que vous y travaillez et que c'est possible. La fin du caractère intracommunautaire des liaisons maritimes entre la France et le Royaume-Uni causée par le Brexit a fait tomber le cadre protecteur.
Monsieur le ministre, près de 80% du trafic transmanche se joue dans le détroit du Pas-de-Calais. C'est donc là qu'il faut mettre la barre, là où les eaux territoriales françaises et britanniques se touchent et forment une sorte de mer domestique commune. La France et le Royaume-Uni sont dans cet espace en pleine maîtrise de souveraineté, ce qui leur donne, vous le savez, la possibilité de prendre des mesures motivées encadrant l'exploitation des ferries pour défendre la sécurité et le bien-être des gens de mer. Je vais déposer dans les jours qui viennent une proposition de loi pour être en soutien, vous aider dans cette démarche. Êtes-vous prêt à travailler pour faire avancer ce sujet dans l'intérêt des marins français concernés? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame la présidente. D'abord, je me permets de vous souhaiter mes meilleurs voeux à vous, monsieur le député Jumel. Merci de votre question et je me permets aussi de vous souhaiter les meilleurs voeux. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre implication sur ce sujet important. Vous le savez, pour le gouvernement français, ces pratiques, cette concurrence déloyale et au fond, cette course au moins-disant et le développement d'un modèle low cost est inacceptable. Et depuis ma prise de fonction en juillet, je me bats avec vous, je me bats avec les entreprises que vous avez mentionnées, DFDS, mais aussi Brittany Ferries, pour lutter pieds à pied, pas à pas, contre le développement de ces pratiques dans le Transmanche et en Méditerranée. En juillet de 2022, j'ai reçu les dirigeants de la Brittany Ferries, mais également de DFDS. J'ai reçu également les syndicats, la CFDT, la CGT, la CGT-CFE, pour, au fond, travailler à des pistes très concrètes pour faire face à cette situation et, au fond, dire de manière très forte et de manière très politique que la France n'accepterait pas d'être mis devant le fait accompli d'entreprises comme P&O ou Irish Ferries qui veulent voir se développer ce modèle low cost. Alors, qu'est-ce que nous a fait depuis juillet de 2022? Nous avons renforcé les contrôles. Ça a produit ses effets puisque les entreprises mentionnées sont revenues à la table des négociations et se sont engagées à vouloir avancer sur la question d'une charte entre les différentes entreprises des deux côtés de la Manche. Vous avez participé à cette réunion qui a eu lieu à mon ministère et donc l'idée c'est d'avoir une charte commune mise en œuvre par les entreprises pour avoir un socle minimal de droits sociaux pour les marins. Le deuxième sujet sur lequel nous avons avancé, c'est créer au sein du ministère de la Mer une task force interministérielle, notamment avec le ministère du Travail, pour là aussi être à la pointe et ne rien laisser passer. Nous avons aussi mandaté une mission à l'inspection qui devra donner toutes les pistes pour notamment travailler sur une loi de police, c'est-à-dire un certain nombre de règles que nous écrirons ensemble et qui seront traduites dans la loi française pour justement faire face à ce dumping social. Donc vous le voyez, la détermination du gouvernement français, elle est pleine, elle est entière. Votre collègue Didier Legac a déposé lui aussi une proposition de loi pour lutter contre le dumping social. Vous avez fait de même et c'est une très bonne chose. Ça montre que ce sujet de la lutte contre le dumping social est un sujet transpartisan. Et donc nous souhaitons travailler avec vous, avec bien évidemment Didier Legac, pour arriver cette année à l'adoption d'une loi de police, à l'adoption d'un certain nombre de règles qui permettront de lutter contre le dumping social, qui permettront de préserver le modèle social français et de faire en sorte que nos marins mais que les passagers soient en sécurité, parce qu'on ne peut pas considérer que les Français, les Anglais, mais au fond, tous les passagers qui traversent la Manche ou la Méditerranée sont en sécurité quand il y a ce type de modèle social promu, développé par des entreprises qui n'ont pour seul et unique but que la rente et, au fond, la course à la rentabilité. Pardon. Donc, merci beaucoup, monsieur le député, de votre question et comptez sur l'action du gouvernement et la mienne pour lutter contre le dumping social. Merci, monsieur le ministre. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance, cet après-midi à 15h, question au gouvernement. Proposition de résolution invitant le gouvernement à défendre un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Proposition de résolution européenne sur la liberté des médias. Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement en produits de grande consommation. Proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l'État pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. La séance est levée.